Salut YouTube, comment ça va l'ami? On espère que t'as la forme, bienvenue à toi dans ce petit épisode 8 de l'Océan d'Azur. On espère que t'as la forme, je vais lancer le record avant d'oublier, évidemment. Comme d'habitude, hein, toujours un petit peu incroyable, la professionnalisation n'existe pas ici. En tout cas, merci beaucoup pour les petits commentaires, toujours hein, YouTube, vous êtes au taquet, ça fait vraiment extrêmement plaisir parce que on n'est pas très nombreux, on est une petite communauté, mais vous êtes toujours présents, vous êtes toujours là en mode let's go, l'épisode il est sorti, ça fait plaisir, let's go, il se passe des trucs à tel moment. Et moi ça me régale de lire un petit peu ça vers le. Généralement je lis des commentaires vers le mardi, mercredi, une fois qu'il y en a un petit peu et que j'ai eu le temps de rattraper le début de la semaine. Et vous faites toujours autant chaud au cœur, donc merci beaucoup et merci beaucoup à Arclo dans le chat qui nous dit que c'est propre. Messieurs, dames, on est parti direct. Jack, on t'écoute, nous te suivons. Let's go, j'ai tellement hâte à cette séance. Parce qu'on s'était laissé sur un très gros cliffhanger, et moi j'y ai pensé toute la semaine. Il y a 4 level up aujourd'hui, vous avez tellement... Oui, c'est comme ça que ça marche ici. Ça va, ça va. Vous avez tous un joker. Enfin, on level up. Moi j'ai un joker, encore, il me semble que je l'avais utilisé. Oui, tu l'as utilisé, c'est vrai. Il y a juste Anno qui a plus de joker, les 3 avaient un joker, si jamais vous n'aimez pas mon level up. Mais oubliez pas, votre joker, vous l'utilisez pour quelque chose en lien. Donc si c'est, je vous donne un talent, ben c'est un level up, dans un vous changez pour un talent, mettons. Ça marche. C'est... De toute façon, on le réexpliquera après. Premier écoute, level up, Mao. Et oubliez pas, si vous voulez voir les statistiques, vous marquez point d'exclamation stats, que je vais faire actuellement, et vous avez les fiches de personnages de nos joueurs un peu modifiées. Oui, mais je tiens à rappeler que la fiche n'est pas accessible. Hein. Quand on clique dessus, ça nous dit que vous devez demander la permission pour y accéder. Ouais. Ah merde. On te revoit tes paramètres. Eh ben bravo. On regarde, allez, on est nuls. Ça fait une rue, merde. Allez. Ok. Alors, Mao, level up en un talent qui est les thés. Oh. Ah, putain, tu vas pouvoir faire des thés de compète. T'es une mute, Mao. Il va nous faire des thés. Oh, il est mute. Mao? On t'entend pas, Mao. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a toujours une séance un peu compliquée. En fait, je crois que lui, il nous entend pas. C'est bon. Mais on l'entendait, je crois. Peut-être peu. Mao? Non, il est... Je crois que t'es en push tout à l'heure. Ah, peut-être, tout à l'heure, tu t'es... Putain, ça arrive jamais, faut que ça arrive maintenant, quoi. C'est terrible. Oh non, les level up. Pourquoi c'est toujours comme ça? Genre, y'a tout qui marche, tu lances. Mao, règle ton truc, je vais passer. On reviendra après. Ulric. Vie. Level up en agilité. En agilité? Tu nous as réussi une super natation plusieurs fois pour aller chercher le coffre malgré ton équipage assez douteux qui ne savait plus comment arrêter le bateau. Je trouve que tu t'en es bien sorti, alors je ferai level up en agilité. Ça me fait plaisir, je le marque tout de suite. Parfait, alors 3 en agilité. Et Onoyamobato, un level up en combativité. Tu t'es très bien battu contre le personnage de Cao Tang. Alors je t'offre ce level up. Ouais, c'était... Attends, comment qu'on l'avait appelé déjà? On lui avait donné un rond non random. C'était Lia... Attends, je vais regarder. Lia qui ruit de quoi de même. Lia qui ruit. Jia Ikari. Mais de toute façon, oui, si t'as envie d'avoir le level up, t'es pas mal obligé, t'as plus de joker. C'est vrai, mais non, je le voulais. Je le voulais faire. Et Maxor, level up en esprit. Oh, bah non. Non? C'est de la merde. J'ai 5 en esprit, merde. Oh oui, mais justement, on t'augmente. Non. Oh, ben là. Mais c'était à cause de ta superbe réussite alors que t'avais 5 quand tu faisais ton 1-2. Ah, mais elle est bien, mais je vais prendre en combativité. Ah ouais. Bah, yes, je suis à 11. Ah. Ça rigole pas ici. Est-ce que, là. Ça te met à... Est-ce que ça te met à 15 toi aussi? Non, pas du tout. Non, je suis à 11. Ah bon, voilà. Non, mais vous avez la bénédiction. Moi... Non, c'est ça, c'est parce que moi, avec ma Pugila, ça me met à 15 pour ça. Mais okay. J'ai pas Pugila. Merci, Snake, pour être romain. Comment ça on va? Fait un retour, on fait un retour sur Mao, est-ce qu'on t'entend?
écris-moi au moins dans... Écris-moi au pire dans le chat si tu veux. J'imagine que tu le veux, mais je te le demande. Veux-tu le talent T? Qui va donner plus 1 quand tu vas confectionner des T. Ouais, au pire, découvre déjà écrit. En effet. Il a mis oui, je pense. Non, il a pas écrit. Peut-être dans le chat. Oui, c'est déjà écrit. De quoi? On a un gros problème de son, là. Bah, excusez-nous, messieurs, dames. Excusez-nous, YouTube, hein, sur cet épisode. Notre petit Mao a son micro qui a sauté à la minute où on a lancé le live. Parce qu'évidemment, sinon, ça aurait pas été drôle. Vérifie, mon petit Mao, si tu n'as pas changé ton micro dans le Discord. Je t'invite à reboot ton PC, si tel est le cas. Ton Discord. Et acheter une nouvelle carte mère, acheter une nouvelle... Fais comme moi. Acheter des nouvelles RAM, nouvelle carte mère. Non, mais ça marchait tout à l'heure, mais comme on s'entendait chez lui, il a dû changer de micro. Il n'y a aucun problème. Aucune idée. On va se prendre un petit 5 minutes pour l'aider, tranquillou. On s'excuse de l'inconvenance, messieurs dames, vous savez, c'est le direct. Toujours des problèmes. Indépendants de notre volonté. En tout cas, on espère que vous avez la forme. Et étant spécialiste du meublage, je vais poser une question, vous pouvez nous répondre dans le chat, messieurs, mais vous aussi en commentaire YouTube, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, comment s'est passée votre semaine? Parce que nous on est samedi actuellement, n'hésitez pas à mettre une petite note sur 10, afin de juger, c'est toujours bien, faire une petite rétrospective de comment s'est passée ma semaine. Est-ce que j'ai été efficace, est-ce que j'ai fait ce que je voulais, est-ce que j'ai glandé, est-ce que ça s'est mal passé, est-ce que ça s'est plutôt bien passé, tout ça. Moi pour ma part je pense que je mettrais un bon 8,5, voilà. Plutôt une bonne semaine, quoi. Moi, en vrai, je vais le mettre dans le chat, mais c'est un solide 9. Ouais. J'ai une super semaine. Vraiment, c'est un petit 9, quoi. Un 3 sur 10, 6 examens en 4 jours. Ah oui, on est sur une semaine dégueulasse, là, pour Aria. Eric Jamin 4. Jay, 2 sur 10, Covid. En fait, c'est... parlant de Covid, ma boss a décidé de dire « nique sa mère les règles du Covid ». Ah ouais. Deux de mes collègues, il y a leur chum ou leur blonde qui ont été positifs. Aïe. Qui ont commencé à montrer des symptômes, mais comme ils étaient pas positifs... Vous inquiétez pas, Mao revient. Ouais. La boss a dit « rentrez ». Fait qu'ils sont quand même rentrés. Puis, ben, ils étaient positifs, évidemment. Donc, voilà. Prise, Mao. Prise 50. Ouais, oh, let's go. Je suis devenu Mao. Incroyable. Heureusement qu'il y a chapitrage sur YouTube et que les mecs ils peuvent passer toutes ces conneries, hein, quand même. Parce que... Oh oui, c'était vraiment une bonne idée. Ça, je me demandais, allais-tu le laisser, mais... Ah, je le laisse tout le temps, je le fais tout le temps. Comme ça, si les mecs veulent pas notre petit blabla du début, que les mecs sont en mode, moi je veux le lore, et ben ils ont directement au début d'épisode le chapitrage, bravo. Parfait. Bref, on peut enfin commencer cette séance, merde. Bah, il reste un dernier truc à faire, c'est les putains de destin. C'est le moment préféré à Unbelievable. Moi, je le... Connard. Oh non, oh, ils vont me sortir des dingues. Oh non, pas encore, j'en ai marre. 5, 3. Alors peut-être que Maxor. Maxor a fait 3. Ouais, on voit pas, mais j'avais fait 1. Il triche. 2. Ah, je suis bien. Yeah. Allez. Bon, bah c'est... C'est marrant avec son micro en mode fonctionnel. Ah, tu veux pas que je le fasse plutôt, parce que étant donné que le micro est peut-être un peu fort. Non, je crois que c'est la vidéo. Antoine Daniel. Bon, alors relancez vos jets. Donc, Maxor 3. Donc, Ulrich, faut que tu relances ton jet. Ah bon? On va y arriver. Ben oui. Ben pour c'est pour savoir c'est qui va avoir la priorité. Ah, il est pas habitué. Let's go. Ouais, moi d'habitude je fais 1, tu vois, ça je connais, ça je sais faire. Il est pas habitué à avoir des égalités. J'ai habitué à être le plus nul, moi, donc bon, voilà. Bon, Mao, si jamais t'es pas capable, je suis là, mais sinon je te laisse faire le... Oh, y'a déjà une auréole de ouf. Ouais. Oh, le matin. Ah ouais. Oh, le matin il fait chaud. Si jamais ça marche pas, vous me le direz. Ça marche bien, vas-y, on t'écoute. Hein. Donc, la dernière fois, si je me rappelle bien, tout a commencé par nos deux missions qui étaient conjointes. Donc, on se rappelle bien de Ulrich et Maxor qui devaient libérer l'équipage de Jack l'Épervier et Mao et Ono qui devaient aider les rebelles à redistribuer de la bouffe et de l'argent aux pauvres.
On peut dire que d'un côté comme de l'autre, ça a été un peu la merde. Ulrich a failli crever trois fois. Oui, oh! Deux échecs critiques en ligne. Ça, c'était incroyable. C'est insane. Après ça, Mao a failli se faire cramer aussi, dans les deux sens du terme. Donc, mais en tout et partout, malgré tous les imprévus, comme d'habitude, l'équipage a réussi à s'en sortir. Et donc, on est repassé par, je me rappelle plus du nom de la ville, mais on a réussi à aller chercher Roxanne, si je me rappelle bien. Oui, sur Manstar. Ouais, Roxanne. Roxanne était l'amoureuse secrète de Andrew, dont les deux familles se détestent, non sans rappeler une histoire un petit peu trop connue. Ensuite, on s'est dirigé vers Bagross. C'est Bagross, hein? Exactement. Mmh. Ça, j'aime bien avec le petit rewind derrière en image. On est arrivé à la ville des cloches. Pour finalement, après quelques péripéties qui avaient plus ou moins d'importance et un personnage incroyable, on a fini par se laisser sur le cliffhanger que Ulrich... Avec ta femme du duc de Bonvivre, donc ta duchesse de Bonvivre, c'est ça. Oui, exact. Qui m'avait annoncé, messieurs, dames, tenez-vous, que j'étais j'étais potentiellement le maire de... Ah, j'arrive plus à te dire. Le père de son enfant. Évidemment, écoutez bien que Ulrich va donner une super réponse. J'espère que tu l'as préparé. Non, je prépare jamais rien, je fais toujours de l'impro, mec. Hein. C'est vrai. Oh, j'entends les musiques, mais quel plaisir. L'œuvre de Morgan Chini. Vas-y, mets-nous la petite musique, je vais... Elle est mis... Tu l'entends? Je pourrais être sûr? Oui, oui, oui. Parfait. Donc, vous... Exactement. Donc, vous êtes à Marcio, ville des cloches et du savon. Vous... Avec... Ben, en fait, en ce moment, Ono est dans la ville. Mao aussi. Maxor est dans le manoir du duc Bonvivre. On sait pas pourquoi. Et... Ulrich est dans une salle un peu plus... solennelle. Avec la femme du duc Bonvivre qui s'appelle Anna. Qui lui annonce qu'elle est enceinte et de lui. Et nous sommes laissés là-dessus. Alors, Ulrich, comment tu réagis? Manière suivante. Excusez-moi, madame la duchesse. Loin de moi l'idée de vouloir paraître, enfin je... Mais Ulrich, appelez-moi Anna. C'est très cher, madame la... Madame la duchesse Anna, j'ai cru mal entendre, excusez-moi, je suis un peu fatigué, et j'ai cru mal entendre vos propos, pouvez-vous répéter? Eh bien, il y a 4 mois, vous êtes venu, vous avez pénétré la maison, et vous m'avez pénétré. Oh non! Oh, il a osé! Non mais vous êtes venu chez moi, et je me suis dit, faisons-nous plaisir, c'est la fête, alors que mon mari était sorti. Et je suis enceinte de 4 mois. Vous savez, peut-être, moins de moi l'idée de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, madame la duchesse Anna. Mais peut-être le père n'est-il tout simplement pas moi. Alors, pour vous expliquer, avec mon mari, ça fait très longtemps que nous n'avons rien fait. D'accord. Et en fait, dans cette période-là, vous êtes la seule personne avec qui je l'ai fait. En fait, c'est vous qui m'avez donné l'envie de rencontrer des nouvelles personnes. Ah oui, mais je suis un petit peu cet effet à tout le monde, effectivement. Ça, c'est bien... Oh, mon tac, c'est un petit peu mon style, ouais, effectivement. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de fréquentable sur le long terme, madame. Pas vous mentir, vous savez, j'ai une vie compliquée. Ah non, mais y a pas de problème, ce sera le duc, le père, mais je voulais simplement que vous soyez au courant par respect pour vous. Eh bien, vous savez, vous venez de m'offrir quelque chose sans même le savoir, madame la duchesse Emma. Anna. Anna, excusez-moi, madame la duchesse Anna.
Putain, elle est chiante. C'est très simple, il s'agit de la chose suivante, une raison d'aller me péter la gueule avec mon équipage. Et quoi, on peut même commencer tout de suite si vous voulez. Vous avez des trucs à boire ici ou pas? Non, mais je pense qu'il serait temps pour vous de partir. D'accord, eh bien écoutez, puis avant, je me dirige vers la sortie, avant de partir je prends une petite bouteille d'un liquide que je sais même pas ce que c'est, et puis je fais... Et à la santé du duc! D'ailleurs, t'as trouvé une bouteille, ce que t'as dit? Ouais, j'ai pris une bouteille sur un placard avant de partir. En cherchant une bouteille, tu trouves quelque chose. En fait, tu vas être, parce que t'es comme dans le bureau du duc Bonvivre, et tu vas voir sur son bureau, à côté de la bouteille, quelque chose d'assez particulier. Tu vas y voir trois petites perles en verre avec des symboles dessus. Trois petites perles en verre avec des symboles. Est-ce que je peux identifier les symboles? Si tu les regardes, oui, tu y vois. Attends, juste pour être sûr, parce que Mao en a une et je veux juste pas faire le con et voir si. Attends. Donc, Mao, juste un instant, parce que je sens qu'il y en a une, donc je veux juste être sûr que j'ai pas la. Je veux pas te donner la même. Celle que. Ah, t'as une femme. Ouais, t'as une femme, parfait. Donc, oui, il y a une des perles, c'est un tas d'or. Une perle, c'est des yeux rouges qu'il y a dessus. Mm-hmm. Et l'autre perle, je vais regarder dans mes magies. Pardon, parce que j'avais noté femme, finalement, c'est pas elle que je vais te donner. Justement, il l'a déjà. La magie des... Donc, ici... On va y arriver, parfait. Il y a aussi une perle qui forme un navire. Donc, une femme, un navire et un tas d'or. Un tas d'or, des yeux rouges et un des navire. Des yeux rouges, pardon. Ok. Et par simple curiosité, est-ce qu'elles sont à portée de main quand je oui. les vois? Oui. Regarde rapidement du coin de l'œil si la duchesse me regarde sortir. Non, elle est à ses occupations. Alors pendant que je prends la bouteille, je fais genre, en prenant la bouteille, je fais genre qu'elle m'échappe un petit peu. Et puis, comme si je me rattrape avec ma main pour pas tomber, genre le mec un peu de haut rebout. Et je subtilise les trois perles comme ça et je sors assez rapidement de la salle. Très bien. Tu arrives à faire ça, tu récupères trois perles de verre, tu peux le noter dans ton inventaire. Il y a yes une perle. Il y a une perle tas d'or, une perle navire, une perle yeux rouges. Je vais me noter ça. Impeccable. Alors, pendant ce temps, le soir commence à arriver sur Marcio. Oh non, il y a mon bateau. As-tu quelque chose de particulier à faire quand le soir tombe? Voir si tu te rappelles de ce que c'est. Totalement. Mais totalement que j'ai quelque chose à faire. Je voudrais que vous entendez la musique. Oui, je l'entends. Parfait. Oui, vas-y, continue. Donc, je vais me mettre à la recherche d'un certain Alexandre afin justement d'en apprendre un peu plus sur les cloches magiques. Et donc, je vais aller le rejoindre comme prévu à la forge, à la taverne du forgeron bourré. C'est vrai qu'Unbell, il était désespéré par l'arc des cloches. Oui. Alors, tu te rends à la taverne du forgeron bourré. C'est assez calme à cette heure-là. Comme tu peux l'entendre, il y a une petite musique, une petite personne qui joue de la harpe. Mm-hmm. Et il y a... Donc, on te demande, qu'est-ce que je peux vous servir? C'est un grand monsieur assez costaud avec un tablier assez sale, par exemple. OK. Il te demande une table. Oui, je vais aller à une table, je rejoignais quelqu'un simplement. Donc on s'en reparle pour la commande. Vous rejoignez qui? Un certain Alexandre. Bougez pas, il... En fait, suivez-moi. C'est bon. Il t'amène et Alexandre assis à une table. Mm-hmm. Il dit, ah, bonjour monsieur, écoutez, venez vous asseoir. Merci. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Eh bien... Écoutez, je vous avais parlé que je voulais on voulait discuter des cloches magiques, c'est bien ça? Tout à fait, exactement.
flush dans le parfait timing, pardon, excusez, ça me fait rire. Alors, je vous explique en fait la situation. Ma patronne est détestable. Je la déteste. Alors, ça me ferait plaisir de lui faire ce coup bas. D'accord ? Je crois que c'est très légitime. L'important, c'est que vous fassiez pas comme la dernière personne que j'ai croisée qui détestait sa patronne. Elle l'a tué. Donc, Ah bon, ben, écoute, j'ai pas prévu de faire ça. Je veux pas aller en prison, tout de même. Ok, c'est bon. Ça me convient. Écoutez, mais avant de vous parler de tout ça, j'aimerais que vous me payiez le repas, quand même. Parce que je vais vous apporter un grand service. Des cloches magiques, c'est exceptionnel. Ok, ça peut... Normalement, j'aurais accepté, mais l'affaire, c'est que l'or, c'est tout le capitaine qui l'a. On va dire qu'il y a un virement, Interac qui va se faire sans problème. Si Ulrich accepte, bien entendu. Ok, attends. Combien? 12 Kraken. Ok, ça. Okay. Ça inclut une tasse de thé avec ça pour moi. Alors 13 Kraken. Ok, voilà. Bon, c'était bien 12, c'était tout rond. Ok, 12. Oh, d'accord. 12? Oh ouais, putain, j'ai gratté ma première pièce. Avec les MJ. Alors, donc il dit, bah, super. Parfait. Donc vous commandez. Il prend un petit saumon sympathique pour manger. Tout à fait. Je sais pas ce que tu prends. Écoute, moi je vais regarder. Est-ce qu'il y a un menu traditionnel Yasurin qui serait offert par hasard? Il y a un plat. Qui serait. Il faudrait que je cherche un peu, mais je dirais. on va dire. Si tu me dis un bœuf à l'orange, je t'étripe. Non, mais choisis, dis-moi un plat. Culturel, Yasurin, c'est de la culture chinoise, donc vas-y. Ok, très bien. Alors, tu vas dire. Je vais pas dire bol de riz, ça va être raciste. En fait, sais-tu quoi, j'allais dire, je vais pas dire uniquement bol de riz parce que ça va être raciste, mais je vais faire un petit lit de riz et de ramen avec des tranches de porc dessus et des petits œufs à la coque. Voilà. Très bien, c'est bon, ça me va. Hop, tu reçois ça. Donc, bon, parfait. Il décide de te parler. Il dit, bah écoutez, vous m'avez offert à manger. Ça c'est super sympathique, alors je vais vous parler de cet endroit. Donc cet endroit, c'est une porte derrière le guichet, en fait, donc derrière la vitrine, on va dire. Le backstore, donc. Okay. Ouais, exactement, dans le backstore. Et à cet endroit, il y a plusieurs cloches magiques. Le seul problème, c'est que la porte est gardée par une cloche qui dort. Ok. Et en ouvrant la porte, la cloche se réveille et sonne l'alarme. Ok. En fait, c'est un système d'alarme cloche. Bah yes quoi. Ouais, je comprends. Alors, j'imagine que la patronne ne va pas très loin et. Non, c'est pas une cloche avec un fils, c'est une cloche magique. Ouais, bien sûr. Alors, voilà, le seul problème c'est de réussir à passer la cloche. Mais après, si vous arrivez à passer la cloche, vous y trouverez des merveilles. Écoutez, voilà. Je vous donne la clé du magasin pour ce soir. C'est très bien. Car le magasin... C'est bon, très bien. Fait qu'il faut trouver un moyen de... C'est une cloche qui, dès qu'on ouvre la porte, se déclenche. Exactement. Ok. Très bien. Tu vois, Claude. Alors, dans ce cas-ci, je crois qu'il y a... ça. Je crois qu'il y aurait peut-être moyen de faire. Est-ce que tu sais quelles sont les cloches magiques qu'il y a que je pourrais trouver à l'intérieur? Parce que tu sais, c'est bien beau aller pour regarder, mais si j'ai rien qui peut être intéressant, ça. Je sais qu'il y a des cloches militaires. Et qu'est-ce qu'une cloche militaire? Eh bien, des cloches, ça qui sont utiles pour la stratégie militaire. Il y a des cloches espions, il y a des cloches de combat, des cloches assez intéressantes. Ok, très bien. Ah, des cloches. Autre question. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles de la cloche. Attends un peu, comment elle s'appelle déjà? La Bang Bell. La Bang Bell? Oui, est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé de faire venir le Duc de Bonvivre à l'inauguration de la Bang Bell. Je sais pas. Je sais. Ah, non. Oui, il sait. Oui, Il était là à ce moment-là. Non, j'étais là quand il y a eu la demande, mais j'ai pas vu le duc après. J'ai pas vu le duc après. Il a vu le duc, mais il s'est pas... Tu sais que vous êtes censé lui dire... Mais oui, tu sais que Bang Bell existe. Mais il va te dire, oui, je connais exactement cette cloche, j'ai participé à sa création.
Juste la création de la cloche, bien entendu, pas à, à ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Ah, ok. Puis qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, hein? Des explosifs. Alors, ok, donc, si j'en comprends bien, le duc de Bonvive est en danger. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, parce que il y a un forgeron qui disait détester le duc de Bonvive en sous-entendant que... Christophe Montfort, bien entendu, c'est... Christophe Montfort. Il le déteste. Ah, il le déteste! Je t'explique, il sous-entendait clairement qu'il trouvait que sa façon d'agir avait pas d'allure pour, par rapport aux forges et tout, mais là, il nous demande d'amener le loup, c'est tout, simplement. Mais il pouvait pas... ça pouvait pas se passer aussi bien. Donc, merci de m'avoir fourni cette information-là. Et voilà, c'est ça. Puis ta patronne, quand j'y ai posé la question, elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Est-ce que c'était la vérité ou elle me mentait? En effet, elle ne sait rien. Moi, je suis... En fait, j'ai deux travaux. J'ai deux travails. Je travaille aux forges et je travaille dans le magasin de cloches. Très bien. Car je suis le seul à subvenir aux besoins de ma famille, alors il faut que je, me... il faut que je travaille beaucoup. C'est bon. Je comprends. C'est parce que si ta patronne avait été coupable, j'aurais été voir le duc de Bonvive et je lui aurais dit « Écoute, la patronne a menti, était au courant, son assistant me l'a dit, tu devrais échanger le patron du commerce si tu vois ce que je veux dire. » Donc voilà. Mais malheureusement, on ne fera pas dans la malhonnêteté, vous et moi. Vous semblez être une bonne personne, j'en suis une aussi. Je suis convaincu. On ne fera pas là-dedans. Épisode d'avant, il tranche, il rentre un sable dans la tête. Hey oh, il le méritait. Ce salopard le méritait. La cruauté n'est pas acceptable. Tu vas surveiller ton langage. Non, bonjour. Je vais le sanctionner physiquement. Alors, le repas qu'on a su de se passer, vous discutez encore pendant ce temps. Maxor, t'es dans le manoir du duc. Que fais-tu? Bah, moi, je vais. En fait, tu vois Ulrich sortir. Bah, écoute, j'ai fait ma job, hein. Je vais aller chercher ma paye, hein. Je vais aller voir le forgeron. Ah non! Attends, Ulrich! Capitaine! Venez! Une bonne paye, là, à aller chercher. On va s'assurer de l'honnêteté du client. Capitaine? Ah, pardon, tu me parlais, putain, j'ai fait un AVC. Ulrich, il regarde autour de lui, il te voit pas, puis tu fais capitaine, puis il est genre, waouh, c'est beau ici. Capitaine! Genre, Lady, j'ai fait un AVC, j'entendais même pas Dieu parler. C'est difficile, monsieur et dame, quand vous vous en rendre compte, la fin de session, hein, tout ça. Ah, mon petit Maxor! Comment il va celui-là? Ouais, tranquille, écoutez. Oh putain. Ça marche un petit peu vite, là, parce qu'il faut qu'on s'éloigne un petit peu du palais, je t'expliquerai. Ouais, venez, j'ai fait un marché avec le forgeron qui a fait Bang Bell, comme j'ai rempli ma part, il faut qu'il remplisse la sienne, et vu que vous êtes un fin négociateur... Ah oui, ça, moi, je sais bien négocier. Allez, viens, mon minou, tu sais, puis je le prends par le bras, bras dessous. Allez, viens, je te suis, on y va, c'est par où. Ça va, je vais aller voir le forgeron. Tu veux pas une petite lichette un petit peu, quand même? Non, j'ai ma propre bouteille, merci. Ah oui. Je t'ai servi dans la caisse. Pendant ce temps, Mao, de ton côté, que fais-tu dans cette, avec ce beau clair de lune? Je chill. Remets la musique, Jan. Ok, parfait. Donc, pendant que les autres sont occupés, Mao, il se promène, il en profite tranquillement. Alors. Vous arrivez au fort, j'ai quand même, par un heureux hasard, vu que c'est la nuit, les forges sont fermées. C'est la nuit? Oui, c'est la nuit. Je l'ai dit. Écoute, il est comme toi, Ulrich, il y a un instant d'absence. On est un peu fatigué, monsieur la voix du destin, calmez-vous. Putain, je crois que le temps est détraqué. Je cogne à la porte. Tu cognes à la porte et tu vas attendre quelques minutes et personne va te répondre. Bon, ben on attendra là, hein, capitaine. Attends, mais ça ouvre dans combien de temps, tes conneries, là? Je sais pas. T'es en train de me dire que tu veux me faire poireauter dans le froid devant une forge pour récupérer une cloche qui fait gling-gling? Avec pour seule substance ta bouteille puis la mienne. Non, pas la cloche. Une épée magique. Ah, j'adore que personne ne se souvient de ce qui se passe. Vous êtes tous perdus. Ouais. Il est minuit, il doit ouvrir dans quelques heures, le forgeron. Bon,
Bon. Juste bon, avant ceci, procédons à une vérification capitale. Est-ce que ta bouteille est pleine? Ouais. Attends, je vérifie de même. Plus maintenant. Ça me semble une excellente idée. Attendons que ça ouvre. Alors, pendant la nuit, dans le avec il fait un peu froid, mais vous êtes quand même bien. On est quand même dans une saison assez chaude. Et vous allez attendre cette nuit-là avec une bouteille de rhum chacun à la main. Oh ouais. On est vraiment des péons dans Skyrim, en fait. Ah, on se met bien, on picole en fait, un peu. Vous êtes comme dans Skyrim, vous attendez 8 ah ouais. heures. Oh, j'avoue, comme ça. Avec la bouteille à la main. Mao, toi, essaies-tu de trouver un endroit où dormir ou tu fais pareil? Je pense que je vais faire pareil, je vais continuer de me promener. On est tous en petit pause devant notre bâtiment, tu sais. On aura tout bugué, en fait. Alors, c'est les modes, ça. Mao veut se trouver un petit coin où dormir. Et c'est les shaders, ça. Pendant ce temps... Oh non, il y a mon bateau. Toi, tu restes où au forgeron bourré? Une fois que le repas est terminé, en fait, moi, je vais pas traîner davantage. Je vais remercier... tu sais, je vais remercier Alexandre pour toutes ses informations. Puis je lui dis de se faire... je lui dis, fais-toi petit avec ce que tu me dis. Aujourd'hui, ça pourrait brasser dans les prochains jours. Donc... voilà. Fait que... Il te souhaite une agréable soirée. Il espère que tu réussiras à voler des cloches. Bon, parfait. Merci beaucoup. Fait que je... C'est ça. Donc... Il se met en typose sur la table. Il sort en typose, il glitch dans le mur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Et la première chose que je vais faire, c'est me rendre au manoir du Duc de Bonvivre. Ah, les bugs de... Il y a un bug dans le monde. Il y a un bug dans le monde. Il y a Mao, lui, il y a juste un bras comme ça, puis il y a juste sa manche qui fait ça. Avec une dorade qui flotte au bout, tu sais. Bref, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On est bourré ou quoi? On n'a pas sorti hier soir, monsieur dame, je vous jure. Vous êtes dans le roleplay. Oui. Un autre dirige vers le manoir du Duc Beauvivre. Oui. Je rappelle qu'il est minuit. En fait, la date de l'inauguration, est-ce que je la connais? C'est demain midi. C'est demain midi. OMG! Attends, bouge pas. Oh non. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que... Regarde-moi. Regarde-moi. Attends. Harry Potter. Merde, putain. On la voit pas. Bah, yes. Ah, dommage, ouais. J'arrive pas à te mettre devant, c'est pas grave. Quel fou. J'arrive ah la dorade. Oh quel enfer. Ah cette séance annonce magique. On fait nimp. Ah putain, donc t'es devant le manoir de... Que fais-tu? Ok. Je sais qu'il est passé minuit, mais je crois que ça peut pas attendre. Ça peut pas attendre. Fait que je vais juste toquer à la... Je vais toquer à la porte. Tu toques à la porte? Les meilleurs deux pieds s'investissent. Oui. Et tu vois quelqu'un... J'en peux plus. Tu vois quelqu'un arriver devant la porte en robe de chambre. C'est un gros monsieur chauve. Il dit « Bonjour mon ami, n'est-ce pas une magnifique... Que me vaut ce dérangement dans cette nuit agréable ?»« Bonjour, vous êtes bien le duc de Bonvivre. » Oui, il te serre la main avec enthousiasme. Il te fait... Je la main et je lui souris. Il te fait la bise. Mouah, oh, mouah. Parfait. Vous êtes magnifique, mon cher. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Écoutez, hein, cette superbe nuit, vous me réveillez, mais écoutez, c'est un réveil agréable. Écoutez, monsieur, pouvons-nous entrer? J'ai quelque chose à vous parler, et malheureusement, j'aimerais ça vous dire que je viens pour une visite de courtoisie, mais à cette heure-ci, il est important que je vous informe de quelque chose de grave. Ben écoutez, rentrez, faites comme chez vous, allez, rentrez, hop. Laisse rentrer, tu rentres, et il te sert une tasse de thé, il te donne même une petite cloche en or, une petite cloche, oh. Tenez, monsieur. Oh, elle est magnifique, merci beaucoup. Ça fait plaisir, écoutez, nous sommes la ville des cloches, nous sommes riches grâce aux cloches, alors je veux vous en offrir une. C'est ça, je lui dis, écoutez, je vais être avec vous, quand nous sommes arrivés ici, nous sommes tombés... sur un certain Christopher Montfort.
Christopher, mon forgeron, je l'adore, Christopher, il est incroyable, un grand forgeron, il est sympathique. Bien, écoutez, j'ai bien peur que de son côté, ce ne soit pas réciproque parce que il nous a demandé de nous assurer. Arrêtez, écoutez, monsieur, je vous prie de m'écouter jusqu'à la fin, c'est vraiment important ce que je vous dis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a dit d'abord qu'il était contre le fait de changer les règles de la forge pour ne faire que des cloches et non plus des armes comme autrefois. Mais si ça s'arrêtait là, ça ne serait pas un problème. Le vrai souci, c'est qu'il nous a demandé, écoutez, on a une belle épée ici, elle n'a pas de prix, et il nous l'a proposé en échange de nous assurer que vous soyez invités à l'inauguration de la Bank Bell qui aura lieu demain midi. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est impossible qu'il nous offre une si belle épée pour, en échange d'une simple invitation. Il y a forcément quelque chose qui se trame, et c'est là que j'ai décidé de mener ma petite enquête, et j'ai trouvé quelqu'un qui avait travaillé à sa construction, et qui n'a pas participé à l'étape 2, et cette étape 2, ça a été de mettre des explosifs dedans. Et j'ai bien peur que votre vie ne soit en danger si vous... Oui. Mais vous avez pas écouté! Mais non! Mais qu'est-ce que tu prends, là, non? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? On s'en prend, s'il explose, on a une belle épée! Fait que... Le duc, vous voulez tuer le duc? Ah non, pas le duc. La femme, oui, mais pas le duc. Incroyable, le duc! Ah non, pas le duc, sa femme, oui, mais pas le duc. Je lui dis, écoutez... Tu vas tuer deux personnes en faisant ça. Donc, je lui dis, écoutez, votre vie est en danger et l'employé donc qui travaillait à sa construction m'a dit que le nom Bang Bell n'était pas donc anodin et que... Des explosifs risquent d'exploser pendant que vous êtes sur scène pour semer le chaos, mais aussi attenter à votre vie. Donc, ce que je vous suggérerais fortement, c'est d'abord de me réentourer de garde, mais aussi de le faire arrêter directement parce que c'est une cloche magique. Donc, la déclencher n'aura nul besoin d'avoir quelqu'un à proximité. Non, mais Renaud, excusez-moi, arrêtez. Christophe Montfort, un homme incroyable, super gentil. Impossible qu'il veuille me faire ça. On s'apprécie. Il est venu boire le thé il y a 3 jours. Incroyable. On a envie de passer une super soirée. Non, je suis désolé, Ono, mais vous me semblez un peu paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Écoutez, mon histoire personnelle m'a amené à comprendre assez vite qu'il fallait se méfier de trop de gentillesse en général. Donc, je suis venu vous le dire, mais si vous décidez d'en faire rien, ça vous appartient. Mais vous ne pourrez pas dire que personne n'a essayé de vous prévenir. Sachez cependant que si vous accédez à notre demande, votre vie sera sauve et vous ne laisserez personne dans le deuil. Parce que, aimable comme vous êtes, forcément, il y a des gens qui vous aiment aussi. Lance-moi un jet d'esprit, éloquence. Ah, il est juste où, un bonus. Putain. Avec un bonus de 3. L'épée! Arrête, Maxor! Vu ton destin, ça fait. C'était presque un. Voilà. Rip le duc, rip la femme, et du coup, je serai pas papa! Et il voilà, fait, capitaine. Il fait, écoutez, je vais y réfléchir. Maintenant, je vous souhaite une bonne nuit, et au plaisir de vous revoir, mon cher. Êtes quelqu'un, malgré votre paranoïa, vous êtes quelqu'un d'agréable. Sachez-le, vous faites partie des meilleurs. Ok, c'est bon. Fait que ce que je vais faire, c'est que. Le duc, c'est normal, j'ai une sauce en fait. Je vais le remercier, je vais sortir, mais cette fois-ci, je vais essayer d'aller à. J'imagine qu'il y a quelque chose comme une caserne, un centre de police ou quelque chose comme ça. Il y a. Oui. Une milice quelconque. Oui. Une caserne, bon. En effet. C'est bon, c'est que ça va être là mon prochain arrêt. Vu que monsieur me croit pas, on va avertir des gens qualifiés. Vu que les autres ont décidé de glitcher, on va continuer avec toi, non? C'est bon. Quoi? On rigolait! Mais tu restes 8 heures devant le fond de la forge. Écoute-moi bien, toi, là-haut. Je me lève, je suis debout. Bah si tu me lèves, moi aussi, je suis debout. Tu parles mieux, toi. Hein. Attention, moi aussi. Toi, t'es où? Dans quel souci je me mets comme ça marche pas? Oh oui, ça marche pas fait! Hein? Ferme-la, toi, ouf. Ok? Ah ouais? Mec, il y a le RP cam, on n'a jamais fait ça, mais tout va bien. Tout va bien, excusez-nous, messieurs, dames, on est un peu dissipés aujourd'hui. Alors, tu te rends proche de la caserne, tu vois un garde assez endormi qui répond à ta. Quand tu cognes la porte, tu fais. Ouais. Oui.
Oui, désolé de vous déranger à une heure si tardive. J'aimerais ça parler à une personne qui serait responsable de récolte d'informations d'enquête pour déposer officiellement une demande d'enquête parce que j'ai des bonnes raisons de croire que la vie du duc de Bonvivre est en danger. De Bonvivre? Oui? Non, c'est pas le duc de Bonvivre. C'est le duc Bonvivre. Il s'appelle Bonvivre. C'est moi le duc de Bonvivre. Ah d'accord. Duc Bonvivre. Bougez pas, je reviens. Henri! Ouais! Y'a quelqu'un qui te demande. Y'a quelqu'un qui demande. Et tu connais quelqu'un que vous avez croisé il y a pas si longtemps qui vous posait des questions sur le meurtre de Suzy Biron? Oh non, pas lui! Watson, oh non! Ah, mais vous êtes Ono Yamabato? Oui. Vous faites partie de l'équipage de Ulrich Clayton alias Jack Bonny? Vous qui avez été, qui aviez le tonneau hurlant, là où est mort, Biron. En effet. Écoutez, je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire, mon cher? En fait, c'est... Je vous écoute attentivement. Oh putain. Écoutez, je suis pas venu pour parler de Madame Biron. Je crois qu'on s'était tout dit. Écoutez, dit à ce sujet-là. Écoutez, sur ce cas, vous savez quoi? On a trouvé Emma et nous l'avons. Elle est en prison actuellement. Ok. Écoutez. Je peux pas dire que je suis pas content, parce que dans le fond, quand bien même c'était une enfant, elle a commis un crime. La seule chose que je peux souhaiter, c'est qu'elle ne recommence plus si elle en sort, éventuellement. Elle est en prison, mais c'est pas... on n'est pas encore sûr, alors nous allons discuter avec elle, nous allons faire un interrogatoire, savoir si elle a participé au meurtre. Car écoutez, on sait jamais, nous préférons être sûr de tout ce que nous avançons. Très bien, c'est bon. Oubliez juste simplement pas que c'est une enfant qui était très maltraitée, donc voilà. Sur ça, je vais arriver avec mon sujet de base. Donc, le duc Bonvivre. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à notre arrivée ici, moi et mes compagnons, nous avons été interpellés par un certain Christopher Montfort, le forgeron des cloches. Oui, Montfort, ouais, c'est quelqu'un d'assez respectable, un grand forgeron. Oui. Ben, en fait, voyez-vous, j'ai des très bonnes raisons de croire que ce n'est pas le cas. Tu sais, vous savez, moi, je viens d'un endroit où, les complots politiques, ça existait beaucoup. Tu sais, il y avait beaucoup de rivalités entre les écoles d'arts martiaux de là où je viens. Et, tu sais, c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses-là. Et ce Christopher Montfort-là, on a vu une épée dans sa vitrine, sa très belle épée que vous avez sans doute déjà vue, zieutée. Et elle n'a pas de prix. Cette épée, il nous a dit qu'il nous l'offrirait, à moi et mes compagnons, si on acceptait d'amener le duc Bonvivre à l'inauguration de la Banque Belle qui aura lieu demain midi. Pauvre Maxor! Alors, bon. Nous autres, au début, mes compagnons et moi, on a accepté, mais à mesure que j'y réfléchis, je me suis dit, c'est pas normal qu'il veuille se séparer d'une épée pour quelque chose d'aussi peu. Il y a quelque chose d'autre en arrière. Et donc, j'ai mené mon enquête et j'ai fini par rencontrer une personne qui a travaillé sur la construction de la Banque Belle et qui m'a dit qu'à l'étape 2, après qu'il ait fini son travail, il y a des gens qui ont inséré des explosifs dedans. Et donc, ça en fait donc une cloche magique qui pourrait exploser pendant l'inauguration. D'accord. Et alors, vous êtes en train de me dire que le duc Bonvivre est en danger? Tout à fait. À l'inauguration de la cloche Banque Belle demain midi. Oui, et j'ai toutes les raisons de croire que M. Montfort a fait partie de l'organisation de tout ça. Et donc, mais j'ai été voir le duc directement et il ne me croit pas. Il est profondément convaincu que Christopher Montfort est quelqu'un de respectable. Alors, je me tourne vers vous pour vous assurer de sa protection. On veut pas de récompense pour ça, rien. La seule chose qu'on veut... Oui, on veut de récompense! Hey, ta gueule, laisse-moi parler, ok? Mais arrête! Tu glitches, okay. Je ferme là! Putain, regardez. Regardez, checker bien ce que je vais faire. Hop, rentre muet, voilà, tiens, je t'entends plus. Maxime, mon PLS! Donc, la seule chose qu'on demande, en fait, c'est simplement, tu sais, en échange... qu'on ait la récompense que Montfort nous avait promis. On veut l'épée, on veut pas d'or, rien. On veut juste avoir l'épée qu'il nous a promis. Parce qu'il nous a promis, en échange, de nous assurer qu'il soit présent. Mais bon, je veux dire, il nous a promis tous une belle épée. C'est la seule chose qu'on demande. Lance-moi un jet d'esprit éloquence avec un bonus de 3, 13 ou plus bas sur un des 20. Ok. En espérant que tu pognes pas 19 cette fois, hein. Et ça fait un 5. Écoutez, je vais aller parler avec le duc. Et je vais essayer de le convaincre de ne pas y aller. Voilà, c'est bon. Et voilà, donc... Je vous souhaite une très belle nuit, Ono, et je vous retiendrai au courant par rapport au meurtre de Suzy Biron. C'est bon, très bien. Merci beaucoup, et passez une agréable nuit. Et vous aussi. Ça. Il rentre.
Donc, et voilà. Ok, parfait. Donc, t'as plus rien à faire, tu vas dans une auberge ou toi aussi tu glitches dans la rue? Ah, ben, en fait, j'ai pas une auberge. Est-ce que je retrouve les trois autres? Ben, oui, ben là, t'es dans la caserne, elle est ici. Ouais, tu redescends et tu tombes sur, tu vois, deux glandus devant la forge de mon fort. Eh oh! Mmh. Ouais. Capitaine glandu! Et une bouteille de rhum! C'est... Une bouteille de rhum! Il chante « Oh, 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 pirate pour moi! » Salut les... Et, par exemple, t'as Mao qui est à une autre place en train de glitcher tout seul. Est-ce que je peux faire un jet pour faire un numéro de claquette? Lance-moi un jet de... dextérité agilité. Tiens, de gagner un point là-dessus en plus. 14 au plus bas sur un 9. Oh hey mec, j'ai la canne et le chapeau, je fais tout. Écoute, lance-moi un D8. Ouais. Un D8, ça existe? C'est pour le pourboire. Ouais, c'est le pourboire, y'a pas beaucoup de monde, mais au cas où, tu sais. Tu gagnes 6 Kraken. Oh yes. 6 Kraken que j'ai pris dans la poche de Maxor, c'est ça? Non, y'a des gens qui sont passés, ils ont cru que c'était des rabourrés. Un peu d'argent. Parfait. Alors, Ono, tu tombes sur ces deux glandus, et un glandu et le capitaine glandu. Ok. Je dis bonjour. Devant la forge, il est 1h du matin. Je leur dis, hey, les gars, faut que je vous dise de quoi. Hey, Ono, comment il va celui-là? Ça va bien. Hey, savez-vous quoi? J'ai parlé avec, vous savez, le magasin de cloches qu'on est allé aujourd'hui. Ah oh, non, pas les cloches. Mao, il continue de marcher, il vous retrouve en fait. Okay. On est gentil. Vous savez, le magasin de cloches. Vous savez, le magasin de cloches où on est arrêté, je me suis entretenu avec un des employés. Il n'aime pas beaucoup sa patronne, mais elle nous a menti. Elle m'a menti quand je lui ai demandé si elle avait des cloches magiques. Il y en a plein dans son arrière à magasin, apparemment. Puis il y a une clochette d'alarme qui déclenche une alarme quand on l'ouvre. Mais si on arrivait à enlever ça, apparemment qu'il y a plein. Il y a des cloches militaires, des cloches espionnes, plein de belles choses. Donc, ça, je dis rien, mais. Donc, tu es en train de me dire que moi, le capitaine Ulrich, avec le meilleur équipage, on va voler des cloches? Pourquoi? Pas des cloches de base, des cloches militaires, des cloches espionnes, et qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre? Il m'avait dit plein de belles affaires. Mais de toute façon, des tas de bonnes choses. C'est pas grave. Des tas de bonnes choses. Parce que on a notre contrat avec le forgeron qui va être complété là, dès qu'il voit. Mm-hmm. Et moi je comprends plus rien. On prend une cloche ou une épée? Ou alors on prend une épée pour taper sur la cloche ou on met la cloche au bout de l'épée? Je suis perdu, moi, les gars. Bah, on pourrait avoir les deux. On va avoir l'épée demain, mais on pourrait avoir une cloche. Bah, ça me semble une bonne idée. Eh, ça vous dans 5 minutes, t'attends avec nous ou pas? Ça ouvre pas dans 5 minutes. Hey, oh. Non, ça ouvre pas dans 5 minutes, je sais. Moi, les gars, je vais aller à l'auberge me coucher. Vous devriez en faire demain. Mais on peut se lever à la première heure si on avait une cloche. Ah, mais nous, on est prêts. Regarde, dans 5 minutes, ça ouvre. Eh, écoute, 4 minutes. Esteban, alias le MJ, vous dit ce serait plus intéressant de voler les cloches la nuit. Je dis ça, j'ai des CJDR. Allez, ça peut. Mais allez. Non, mais moi je suis pas un voleur. T'sais, à moins que. Mais je suis un meurtrier. Non, je fais de la baston. Je suis un complice de meurtre. Moi je dis, moi et le capitaine, on fait une distraction dans la rue. On commence à se battre en faisant. Ah ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée parce que dans l'état actuel, je suis pas capable de voler même un éléphant au milieu d'une. Je trouve pas la fin de cette phrase, mais je suis d'accord avec Maxor. Alors, pour votre info, il n'y a plus vraiment personne dans la rue. Là. Vous êtes pas mal les seuls en train de parler fort. Bon, ben, je fais le gay, alors. D'accord. moi, je fais le... Je... Ouais. Ouais. J'ai une idée pour attirer l'attention. Je prends mon flingue et je tire une balle en l'air. Il n'y a personne. Non, ben, c'est pas grave. Je le fais quand même. Je tire en l'air. Non, tu tires. Ouais, en l'air. Alors, t'as plusieurs gardes qui arrivent, ils font... Qui a tiré un coup de feu? Il est parti par là-bas, monsieur! Et je pointe avec mon arme au bout de ma main. Ils font... Vous ne prenez rien pour un con, monsieur. Mais non, mais je vous jure, j'ai ramassé son arme, regardez... Alors, là-bas. T'as Henry Watson qui se monte devant, il fait... Eh bien, n'est-ce pas la troupe Ulrich, Clayton, Mao, Maxor et Ono Yamamoto qui
sont peut-être impliqués dans le meurtre de Suzy Biron. Oh, hey, je regarde Henri parce que, tu sais, on vient de se voir, puis j'y fais comme, tu sais, l'espèce mais de. Mais toi, t'es pas là, t'es en train de piquer une cloche pendant qu'on fout le bordel! Non, on fait rien. Non, t'as tué au même moment, là. Ah merde. Ils sont partis en couille, là. Ah merde. Là, j'y fais vraiment genre un signe, genre. Vraiment, en fait, genre, il se tourne vers les gardes et il dit « Écoutez, je les connais, ce sont des bonnes personnes, laissez-les tranquilles. On retourne dans la caserne, on retourne boire. » Oh ça va, on picole pas souvent, monsieur l'agent. Il se retourne vers vous, Henri, il fait... Et il s'en va. Mais quand il se tourne, je lui fais un fuck. Mais sauf que je lui fais d'abord avec les yeux comme lui, genre... Alors, là, j'aimerais savoir... Au lieu de faire les cons sans arrêt. M'a coûté une balle, ces conneries. D'abord, enlève-toi une balle. Enlève-toi ouais, une c'est balle. C'est fait. Ok, c'est bon. Alors, c'est quoi votre plan pour. Aussi. C'est quoi votre plan pour voler des cloches? Ben, moi, je propose, je tire en l'air. Et Alors, vous faites quoi? Donc là, Maxor veut faire le guet. Oh non! Veux aller voler, Mao, est-ce que tu veux aller voler? Ulrich, que fais-tu? Est-ce que Ulrich, tu restes picolé devant la forge? Ah oui, moi je. Non, bah je vais m'endormir tranquillement et puis chanter des petites chansons et. Je vous surveille, moi les gars, vos cloches, là, ça me motive vraiment, hein, les cloches, là, hein, ouais. Hein. Mao, toi, que fais-tu? Moi je vais aller avec Ono et je vais me préparer à assommer n'importe qui pourrait débarquer. Avec sa note coco, très bien. Et pendant ce temps, Maxor, toi tu fais le guet, c'est ça? Ouais. T'es bourré, Maxor? Alors, vous arrivez. Non, je suis pas bourré. Quoi? Je suis fatigué, mais je suis pas bourré. Quoi? Écoute, franchement, j'ai de résistance, Maxor. T'as fait semblant de vivre, d'être ivre avec ton capitaine? Fais 9 ou plus bas. J'ai pas fait semblant d'être. Ouais, vu ce qu'on a picolé, mon pote. Oh! Hey il a fait semblant, hey le goat! En fait, il buvait du jus de pomme, le mec. Mais c'est ça. Mais oui. Donc, il a fait une réussite critique en quoi, là, en constitution? Alors, c'est ma première réussite critique. Sur un 12-8, level up en constitution pour Maxar. Résistance à l'alcool x 12 000. Alors, vous dirigez vers le... Le magasin de cloches, vous éloignez de Ulrich. Ono, tu as la clé, tu ouvres le magasin de cloches sans problème. Et vous tombez face à une porte derrière la vitrine où il y a une cloche et vous la voyez, vous entendez? C'est ça exactement. Dans le fond, vous entendez. Tu vois vraiment sa petite bouche faire. Ok, attends un petit peu, j'ai besoin d'un visuel. Tu dis la cloche, elle est devant la porte? Ah non, t'as une cloche, une petite cloche accrochée sur la porte. Ok, elle est accrochée. Et qui tu entends vraiment un mini... Très okay. Aigu, et tu vois vraiment une petite bouche. Ok, fait que dans le fond, là, il y a deux choses à faire d'abord. Cette cloche-là peut probablement hurler, premièrement. Et elle peut probablement aussi faire sonner son petit con. Fait que le truc, en fait, c'est qu'il faut s'en approcher, l'empêcher de sonner, puis mettre la main sur sa bouche pour pas qu'elle sonne. Puis c'est ça qu'il faut faire, finalement. Je ne sais pas. Ben, tu sais, c'est le seul moyen qu'elle ne... Ben, tu le sais pas. C'est une cloche, là. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça sonne, une cloche, tu sais? C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. C'est la logique. La logique, je la regarde, je la vois vivante, je me dis, faut pas qu'elle parle, puis faut pas qu'elle sonne. Mais tu sais, peut-être que c'est magique puis qu'elle va juste faire du son pareil, mais tu sais, je me dis, ok, c'est une cloche vivante, elle peut. Tu sais, j'assume de cette façon-là. Moi, c'est mon rêve. Il y a Mao aussi avec toi, vous pouvez discuter de tout ça, là, c'est à vous deux, parce que le Maxor est à l'extérieur du magasin, et il regarde. Je regarde, y a-tu un accès au Backstore? Y a-tu un accès au Backstore à l'extérieur? Non, c'est y a une seule entrée. Ça serait trop facile. Ok, c'est ça, y a pas de fenêtre. Ok. Ok, puis elle est accrochée par une corde. Non, elle est juste sur la porte. Ok, elle est sur la porte, ok. Tu sais, c'est vraiment comme quand tu rentres dans un magasin, t'entends une ding ding ding, mais y a pas de corde. Ah, ok, je comprends. Ok. Fait que dans le fond, ça veut dire que tant qu'on fait pas de bruit, elle va pas se réveiller. Tant que t'ouvres pas la porte. Tant que j'ouvre pas la porte. Okay. Ou la fenêtre. Ou la fenêtre. Y'a pas de fenêtre. Ben, okay. Enlève la cloche. Ok,
Est-ce que je vois qu'il y a un moyen de la décrocher ou bien elle est vraiment fixée, genre... Elle est fixée, ok, très bien. Alors dans ce cas-ci, ça veut dire que ça nous prend une personne qui doit la mettre hors d'état de nuire. Ou la détruire, mais ça risque de faire énormément de bruit aussi. Ouais, pas mal, ouais, c'est du métal. Hein. Fait que si tu tires dessus, ouais, pas mal sûr que non seulement ça va sonner, puis... Même pas tirer dessus, en fait. C'est vraiment genre, tu sais, une... Ça a-tu l'air d'une cloche solide? C'est-tu petit, c'est-tu grand? T'sais, c'est-tu gros comme un point? Non, si... mettons, je te montre ça, c'est à peu près gros comme ce truc-là, genre. Un petit peu, je vais le voir apparaître. Ok, c'est tout petit. Ah ouais, okay. Bah, tout petit moyen, quand même. Hein. C'est une bonne clochette, hein, déjà. Une cloche. Ça. Mais j'estime que imagine c'est... Imagine sa bouche ici, là, qui fait... Ok. Bayonne là. Ok. Ok. Ben, en fait, j'ai réfléchi à cette éventualité-là, à la bayonner. Mais surtout, le plus important, c'est le petit... Je sais pas comment on appelle le morceau qui est en dessous, mais... Et ce qui sonne. C'est un peu ça le concept. C'est ça. Ce qui sonne. Mais attends, je crois que j'ai effectivement une idée. Ce que je vais faire, il doit avoir genre des morceaux de tissu dans ce magasin-là, accessible ou quoi. Alors, dans le magasin, non, il y a juste des cloches. Ok. Alors, ce que je vais faire... Ah! Ben, écoute... Oh, Maxor, qui veut participer! Okay. Bon, ben, Max... Okay, ben, écoute, j'enlève un de mes bandages sur ma main, puis je... Tu le donnes à Ono? Ouais. Alors, il y a un petit sang dessus, mais tu le prends. Pas grave, c'est tout froid avec le sang. Je pourrais enlever les miens aussi, techniquement. Ouais, donc, tu veux mettre les bandages pour l'empêcher de sonner? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bandage dans la bouche de la cloche, tu sais, si jamais... c'est ça, mais je vais commencer. Dans la bouche de la cloche, c'est bon. Une catégorie précise, ça, sur Internet. Et je vais... Oh, le chou rouge. Puis je vais en mettre une aussi autour du mini-cloche. Cloche rouge. Je vais en mettre... Je vais en mettre aussi au niveau du petit clochon pour pas que ça fasse de bruit, ça étouffe le bruit. C'est bon. Alors, il y a quand même un jet à faire. Juste pour... Donc, ça va être par rapport à un genre de reflet. Donc, dextérité, agilité, mais avec un bonus, bien entendu, puisque t'as un très bon destin. En vrai, t'as 13, t'as un bonus de 4. Donc, 17 ou plus bas sur un D20. Allez, let's go. Puis... Oh, putain, le système fonctionne! Oh, mais non, le système fonctionne! Alors, à un certain moment... T'as pas encore mis. Genre, tu le mets en dessous de sa tu le mets dans sa bouche. Tu vois qu'elle est sur le bord de s'agiter, elle se réveille. Elle fait. Il commence à essayer de s'agiter. Arrive juste à temps. Arrive juste à temps pour mettre le truc. Faut que ça sonne pas. Elle fait. Tu vois qu'elle commence à aller à crier. Oh, toi, Daniel! Y'avait tes coups de saille! Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je la tiens comme ça. Elle est prise, mais elle peut plus faire de bruit. Là. Jack, est-ce qu'il y a vraiment une cloche dans tout le magasin que quand tu la touches, ça gueule Antoine Daniel? Vous verrez. C'est bon. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner. je vais donner à Mao l'honneur d'ouvrir la porte le premier maintenant. Parce que moi, faut jouer avec cloche. Son unique bras. Ouvre la porte. Mais c'est bon, c'est correct, c'est pas une poignée, c'est un tching, comme ça. Mm-hmm. T'ouvres la porte, et vous arrivez dans une salle assez noire, mais très propre, où il y a plusieurs types de cloches. Alors, c'est parti, je vous explique. Et là, t'entends... Non, t'entends le cri de la chef, c'est... Alors... Il y a des boucles d'oreilles en forme de cloche. Une amulette avec une cloche au bout. Une cloche qui dort, mais assez grosse quand même. C'est une bonne cloche comme ça qui dort. Ok. Il y a un fléau avec des cloches. Oh! Il y a aussi... Une cloche qui a une très grosse cloche. Là. Donc vraiment une cloche d'église. Avec quelque chose d'écrit sur une affiche, ne surtout pas sonner. C'est la bang bell. C'est quand même de la chance que Ulrich soit pas là parce que ça partirait en sucette, mais mode mais géant. Non, c'est pas la bang bell. Je dis à Mao de se concentrer uniquement sur ce qui est portable parce que tu sais. Moi, c'est pas compliqué. Je vais prendre les boucles de règles. Et c'est quoi l'autre affaire que t'as dit? Il y a une amulette? Il y a une amulette, des boucles de règles. Oh, enlève ton sang.
Il y a une amulette, des boucles d'oreilles, un fléau, une cloche quand même moyenne qui dort. Et une grosse cloche qui est écrit « Il ne faut surtout pas sonner ». Eh bien, c'est pas compliqué, je vais prendre les boucles d'oreilles et l'amulette et les mettre dans mon journal. C'est fort, oh le boss. Très bien. C'est bon. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, il n'y avait rien d'autre qui était portable. Il y a le fléau. Ah, ben, le... Ah, emporte le... Ok, ben, emporte le et fléau. Et il y a la cloche moyenne qui dort. Bon, la cloche moyenne, on touche pas à ça. D'accord. Fait que, pogne le fléau, puis... Hop. Est-ce que Maxor veut rentrer, vu que la porte est ouverte? Ben, c'est ça, je fais... Puis, ça se passe comment? J'y fais signe de s'en venir. Puis, j'y montre la cloche, genre, qu'est-ce que j'ai fait avec la cloche. Oh, c'est quoi cette grosse cloche-là? Attends. Alors, tu vois qu'il est marqué, tu vois qu'il est marqué, ne surtout pas sonner. Écoute, on fait le beau jeu. Hey, ouais. Ariana est où à travers tout ça, hein? Oh, attends, il le joue au dé, il le joue au dé! Sur le bateau. Alors, père, je sonne. Hey, père, je ne sonne pas. Vas-y. Oh, il est déçu, regardez le monsieur dame, le visage de la déception. Que ferait Capitaine Ribou? Et boire une bouteille de rhum. Je vais proposer quelque chose aussi pour le beau jeu. Oh putain. Je vais prendre le fléau pour partir avec. Si je fais père, j'accroche la cloche avec le fléau en me retournant. Et du coup, t'as le fléau qui hurle avec, quoi. Allez, vas-y. Si tu fais peur, tu l'accroches. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Okay. Alors, Mao, il prend le fléau. On joue en hard mode aujourd'hui, quoi. Il fait « Regardez !» Vous entendez « Ding !» Et là. Alors. Oula. Quand tu coupes la musique comme ça, c'est que ça va chier. Attendez, je vais aller chercher quelque chose qui est très loin. Musique de boss. C'est ça, je regarde le jukebox. Moi aussi, là on attend le no playing pour savoir avec quoi on va être bouffé. Attendez, je vais regarder parce que j'ai plus mes playlists. Et là c'est le drame. Ouais. Là on a entendu Age of War. Voilà. Ça aurait été marrant que le fléau il sonne aussi qu'il fasse. Alors, si vous voulez, on peut dire que vous entendez Antoine Daniel. Mais surtout, ce que vous remarquez. C'est que... Vous sentez un tremblement. Attends, bah les joueurs pitent. Et vous voyez que le magasin commence à tomber. Commence à tomber. Vite, on se casse! On se casse. Alors, il va falloir que vous me fassiez chacun un jet de dextérité et agilité. Oh merde! Alors, qui commence? Moi. Ça passe juste! 13. Oui. Mao, ça passe pas. Maxor? Ça passe pas. Tout le monde fait 13, pardon! Maxor et Mao, vous tombez, vous pouvez me lancer un D4, ça va être le nombre de points de vue que vous allez perdre. Peut-être arrêter le seul qui se dérobe là. tu perds combien de vie? C'est qui a lancé? C'est moi. Mao, tu perds 3 points de vie et Maxor, tu perds 1 point de vie. Mao, est-ce que tu es mort? Oui. Ah! Les bonnes ambiances! Alors, Maxor, tu es pogné avec Mao et tu vois qu'il est rendu inconscient et qu'il est sur le point de mourir. Mao? Est-ce qu'il y a un thé sur lui pour l'aider? Un thé? Regarde, cherche. Un thé? Je cherche. Alors, Mao, est-ce que tu as un thé? Parce que j'ai pas vos fiches d'ouvert. Non, j'ai juste du thé pas prêt, en fait. Alors, il va falloir que t'arrives à le sortir de là. Bon. Allez, viens avec moi, chacal. Ça tient, frérot! Allez, je vais vous mettre une petite musique de... Le boss. Non, pas de boss. De... Et tué par une clochette, comme dans Titan. On va mettre notre musique préférée. Voilà. Alors, ah tu
le sol continue de se dérober, le toit commence à vouloir à s'effondrer. Maxor, lance-moi un jet de constitution force pour voir avec poids lourd. Donc t'as un bonus. Donc t'as. C'est 12. 1, 9, 12. Tu as 12 ou plus bas sur un des 20. Réussi. Allez, lance-moi un des 20, 12 ou plus bas. Quand tu veux, Maxor. Ça vous dit une petite partie de Gwent? C'est pas le moment, allez là! Allez, c'est parti! Let's go! Oh 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 man. Mais mec! T'as fait 2-1 d'affilée! Alors, la rush, il arrive, il y a le toit qui va tomber, il fait Superman, il passe à travers avec ma. Je suis et Super Maxor. En sortant du magasin, vous remarquez que tout, y a un quartier entier, mais juste un secteur donc où se trouve le magasin de cloche qui se détruit. Lancez-moi un des 20, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, il y a 9 personnes de mortes dans cet accident. Oh non. Aïe. Et les autres sont tous des blessés. Nous reviendrons sur votre jet de mentalité, genre de santé mentale juste après. Est-ce que c'est moi aussi parce que bon. Tout le monde. Non mais attends, c'est n'importe. Mais j'ai rien fait, moi j'ai même pas essayé de l'accrocher. Mais t'étais là, c'est toi qui as eu l'idée en plus de venir faire le larcin, hein, voilà. Mais c'était pas supposé se penser comme ça, c'était. Batman va trop te trouver et te péter la gueule. Et le magasin est détruit. Ah merde. On va se casser. Et vous voyez Ulrich qui fait « Mais c'est quoi ce bordel ?» Moi je me réveille, tu sais, en mode « Hein ? Qu'est-ce qu'il c'est ?» Quoi ? C'est le bordel qu'il faut genre qu'on se casse, tant pis pour les pains. Ils sont... Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai entendu... Parce que... Non, parce qu'en fait, je dormais, puis j'ai entendu... Et après j'ai entendu... C'est normal ? J'ai entendu au loin... Ah, oui, j'ai effectivement entendu un Antoine Daniel, c'est qui ? Ça va ? Alors, c'est l'arc des cloches qui finit. Esteban vous dit arrêtez de parler, faut y aller, faut se cacher. Eh ben, tous au bateau, je sais pas pourquoi, mais go. Alors, le bateau est assez loin, mais. Courez. Mais là, Esteban vous dit mais on a besoin des informations du truc bon vivre avant de partir sur la justice maritime. Puis on a besoin de réveiller Mao, regarde le pauvre. Il est sur le point de mourir. Oui, il est sur le point de mourir. Ben, on a besoin de toute façon d'un alibi. De toute façon, faut qu'on le soigne au plus vite. Non, mais rentrons au bateau, on verra demain là, pour le duc bon vivant. Il va mourir si vous rentrez au bateau. Ah bon ? Pas le temps. Ben, en fait, vous êtes. Merde, on est si loin que ça ? Vous êtes. Là ? Et votre bateau. Ah oui, c'est vrai qu'on y est allé à pied, bordel de merde ! Bon, ben, en attendant que vous me réanimez, moi je vais aller pisser. Ok, ça. Je dis, ben, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on. Esteban, t'as toujours des bandages, Esteban. Mais ça va pas l'aider, ouais. Ça soigne pas un bandage. Il va le réveiller. Il est dans un état critique, là, il va mourir. Moi, il y a Ulrich qui cherche comme. J'ai. Moi, j'ai rien, j'ai une bouteille de rhum. Bon, ça peut. Hey, Max. Oh non, t'as plus au destin, call pour un médecin. Alors, Esteban vous dit, écoutez, 10 Kraken et je le sauve. Oui, allez, dépêche-toi, je lui passe 20 Kraken. 20 Kraken par une reverse. Il prépare un thé et Mao va récupérer un point de vie. Maintenant, que faites-vous ? Est-ce que vous allez vous cacher ? Mec, il y a des gardes qui commencent à arriver. Faut qu'on retourne au bateau, terminer la nuit, on pourra dire ouais, on était là, on verra demain matin pour le duc bon vivant. On se casse ! Vous retournez au bateau ? Ouais. Bateau, ça va prendre 2 jours vous rendre au bateau. Ah, ok, non. Mais dans ces cas-là, l'auberge la plus proche, vite ! Alors, vous allez au forgeron bourré. Oula. Okay. C'est là qu'on était, de toute façon, fait que ça va. Alors. Oh, bordel de merde. Ça fait des saoulés, vos histoires. Hein. Vous êtes. Ça, c'est du GDR. Au forgeron bourré. Et. On vous dit. Vous voulez une chambre ? Oui. Ouais. Ouais. Je veux dire. T'as le gars, il lui manque un bras, il pisse le sang du front. T'as l'autre avec genre une grosse entaille sur le bras. T'as un gars qui ribou. Pis t'as Ono qui genre.
Mao, d'ailleurs, Esteban t'a sauvé la vie, t'as donné un PV. Merci. Tu peux le noter. Pour vaincre Kraken, bien entendu. Classique. Bah, alors, c'est pour voir. On vous demande 10 Kraken pour une chambre pour vous. Ok. Je donne les 10 Kraken et je. Votre meilleure chambre. Non. Votre meilleure chambre. Alors, non. 20 Kraken. Non. Je me mets sur le comptoir, je fais. On va prendre une chambre dans la discrétion et si c'est possible, par un médecin qui pourrait rafistoler notre ami. Et puis je lui mets quelques piécettes de plus, genre 5 piécettes de plus. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Donc, je lui donne 15 Kraken. Alors, il vous montre votre chambre, il vous dit de vous installer, il dit je reviens avec un médecin. Vous installez, le médecin va s'en venir, il va t'aider un peu Mao à penser tes blessures. Enfin, mais qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi mal en point dans cette magnifique ville? J'ai déboulé les mains. C'est trop fort. Ça devait être J'ai essayé d'attraper la rampe, mais j'avais plus de bras. Ça devait être de sacrées marches, dis donc. Ouais, c'était des grands escaliers. Tu sais, vous savez, des espèces de marches en acier, mais tu sais, avec des espèces de trous en métal que quand ça ressemble à des rampes, là, c'est ça. Ah non, non, je veux pas cette vision, là, merde. Alors, Maxor, lance-moi un jet d'esprit intellect, s'il te plaît. Oh, il va nous refaire un 1. Okay. S'il refait un 1, je quitte ce live. C'est un échec. Tu vas pouvoir... T'étais comme un déjà en santé mentale. Est-ce que j'étais stressé? Ouais, j'étais stressé. Ok, tu vas passer... Prochaine fois que tu relances un jeu, tu vas être rendu... le prochain, là, je sais quoi, c'est... En tout cas, tu vas avoir des malus sur tous tes jeux la prochaine fois. Ah ouais... C'est bon, j'ai marqué stressé plus. Ouais, exactement, parfait. Mao, lance-moi un jeu d'esprit intellect, 8 ou plus bas sur un des 20. Oh là là, joli. Oh non, Yamobato, lance-moi un jeu d'esprit intellect, 12 ou plus bas sur un des 20. 11. Ça passe. Parfait. T'sais, Mao, il est revenu d'entre les morts. Mais tu sais, genre normal, il se relève, il se fait craquer le cou, puis il est en mode. Nah, facile. Bon, on fait quoi maintenant? Alors, vous allez pouvoir récupérer tous un point d'énergie pour la nuit. Ah, c'est bien ça, c'était propre. Il m'en restait un seul en plus. Que... Mao, tu vas pouvoir récupérer un point de vie. Maxor aussi. Oh, let's go! Hein? Et le jour se lève. Yo, nous, il en récupère pas, lui, non? Non, parce que t'as pas été touché, voilà. Ah, ben nous, ok. Alors, on est le jour, et maintenant, que faites-vous dans cette magnifique ville qui a perdu une partie de sa population? Bon, moi, j'ai dessoulé, je dis à l'équipage qui... Dis-toi qu'il y en a une centaine qui sont blessés, genre. Bon. Soyons d'accord, nous n'avons rien à voir avec ceci. Nous ignorons totalement ce qui se passe. Je vais aller voir le duc Bonvivre afin de recueillir les informations qu'il a pu récolter pendant les dernières heures. Et on se casse immédiatement. Ne restons pas trop longtemps dans cette ville parce que nous avons mis suffisamment de pagailles et ça va forcément nous retomber dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? On n'a pas un sac ou un truc du genre parce qu'on a quand même un fléau avec des cloches dessus. T'sais. D'ailleurs, le fléau, il fait quoi quand on le secoue? On l'a testé un petit peu la nuit ou pas là? Non, vous avez rien testé encore. Ce serait peut-être le temps... Non, pas en pleine vie, parce que si le truc il commence à hurler Antoine Daniel partout, ça va pas être très discret, quoi. On verra ça quand on sera en pleine pampa ou sur le navire. Écoutez, on a des sacs, n'est-ce pas, hein? Oui. Okay, alors, ce que je vais faire, c'est que je dis à Mao, donne-moi le fléau des cloches. Moi, je vais pas aller au rassemblement à l'inauguration. Moi, j'irai pas. Attends, la sortie de la ville. Ça. Puis moi, je vais vaquer à mes occupations de mon côté en attendant. Fait que donne-moi le fléau, puis allez-y, gardez les cloches, les deux autres, dans ton cahier. Fait que c'est bon. Très bien. Je m'en mets pas. Donner le fléau. C'est bon. Je vais demander aussi. Pardon, c'est si drôle. Ça fait deux séances que les deux zigotos là. Lui, là. Les deux cons là. Ils font n'importe quoi. Ah, c'est là. Si drôle. Allez. Mao, vas-y. Je vais demander la permission au capitaine d'aller acheter du thé.
de faire des provisions avant qu'on parte. Mais bien sûr, mon Mino, fais-toi plaisir. Et je lui passe genre 150 Kraken. T'as un budget de 150. D'accord ? Voilà, t'as un budget de 150. On a 13 jours de vivre, fait que voilà. Ok, donc 150 Kraken vaut. Pendant ce temps, Maxor et Ulrich, glitchez-vous encore ? Allez-vous voir. Non, mais moi je vais voir le duc. On va glitcher jusqu'à la place pour aller voir le duc doit être. Non, mais on ne glitch pas, je prends avec Maxor. Avec Maxor, on va taper tranquillement au sein du manoir du bon vif. Est-ce que vous allez à la place de rassemblement ou voir le duc ? Non, voir le duc, moi. Voir le duc. Ouais. Alors, on va dire qu'il est 11h, donc dans une heure, il va au rassemblement. Vous arrivez devant le manoir. Il commence tout doucement à sortir avec En fait, non, il sort pas. Vous cognez à la porte, j'imagine. Je cogne à la porte, ouais. Et vous, il fait Ulrich, Maxor, comment allez-vous, mes chers amis ? Eh bien, très bien. Et vous, monsieur Ulrich, malgré les conséquences désastreuses, hein, je sais pas si vous avez suivi un petit peu. Vous en avez entendu parler ? Ah, c'est terrible. La ville en a entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des mécréants auraient mis quelques désordres ? Sachez que j'ai mis le meilleur enquêteur du continent sur. Même de l'océan. Sur ce cas, Henry Watson va s'en charger. Ah ben ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, je suis moi-même prêt à lui toucher deux mots si jamais ça peut l'aider, parce qu'il faut vraiment qu'on les retrouve. Hein. Eh ben vous savez quoi, justement, il voulait vous parler à vous. Ah. Alors, quand vous le verrez, eh bien, ce sera Ah ben j'irai, je vais aller voir de ce pas. Cher Duc, avez-vous un petit instant ? Ben oui, rentrez. Écoutez, pour vous, toujours. Oh, mon plaisir. Donc, ben, avec Maxor, on rentre, hein. Il vous rentre, il fait hey, écoutez, regardez, tenez, hop, il te tend à toi aussi une cloche, une petite cloche, hop. Une cloche ? Oh. Ouais, ça fait plaisir, écoutez, on est amis. D'accord. Puis on a le gros flashback du Vietnam. Bah moi j'étais pas là, donc je secoue la cloche pour voir qui le bruit a fait. Ding, ça d'ailleurs fait... le... Évidemment. Le Maxor, tu suis un peu du... T'es une petite sueur. Il te regarde, il fait... Mais qu'est-ce qu'il y a, Maxor ? Vous allez pas bien ? Vous voulez quelque chose ? Des Advil ? Des Advil ? Du paracétamol ? Ah, non, mais j'ai fait une chute... C'était quoi ? Comment ? Une chute de pression sanguine ? Ah, écoutez, prenez un siège, Voulez-vous que je cherche un médecin ? Non. Ça va, je me sens déjà un peu mieux. D'accord, c'est bon. Hey, ça se voit que vous êtes quelqu'un de bien quand même. Vous occupez de vous. Mais vous êtes. Mais sachez que vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur. Non, je suis le meilleur. Vous êtes le meilleur. Ulrich, mon cher ami Ulrich, comment puis-je vous aider ? Sachez que je. Merci Frimousse pour solo. Je suis prêt à tout. Vous savez, nous avions parlé de cette. Ce fameux groupe un petit peu engagé par les trois continents, vous vous souvenez ? Oui, j'ai envoyé la lettre et elle devrait arriver demain matin. Donc demain matin, vous pensez peut-être qu'on aurait des informations ? Exactement. Bon, mais écoutez, alors, dans ce cas-là, je pense que moi et mon équipage allons patienter encore une petite journée. Nous prendrons la route immédiatement après notre entretien de demain. Vous savez quoi, mon cher Ulrich ? J'ai des choses à... Écoutez, je sais pas... Vous voyez pas la cloche comme quelque chose comme si vous me deviez un service, d'accord ? C'est un cadeau. Mais j'ai quand même un service à vous demander. Oui, je vous écoute. Bien écoutez, j'aurais ces petites provisions à amener à une femme. En fait, un colis. J'ai besoin que vous amenez un colis à une femme qui vit dans la forêt de Bagre. Alors, je vais vous montrer sur la carte, bien entendu. Vas-y, montre-moi. Donc, la forêt de Bagre. Et donc, j'aimerais que vous lui apportez ce colis. Ah, mais cette forêt, j'ai entendu des choses mystérieuses hein, sur cette forêt. Vous êtes au courant, hein, cher Duc ? Oui, en effet, il y a des trucs assez étranges qui s'y passent, mais c'est qu'il y a une femme qui vit là et qui est très. Que j'ai comme grande amie. Et j'ai d'accord. besoin que vous lui apportez ce colis. Et si vous lui apportez, écoutez, vous serez heureux. Attends. Eh bien, écoutez, cher Duc, après toutes les choses que vous avez fait pour nous et que vous démenez pour cette ville, il serait vraiment de mauvais augure de refuser de vous aider. C'est pour ça que j'accepte votre offre. Eh bien, super, c'est gentil. Et, une autre chose. Attendez, parce que... J'ai reçu... Une information, une gorgée, quand même. C'est un peu comme ça que ça passe chez nous. Eh bien, écoutez, y a aucun problème.
J'ai un tout dernier service. Service de rien du tout à vous proposer. Vraiment, c'est simple. Une broutille, comme on dit chez nous. Je vous écoute. Exactement. Écoutez, il y a un marché qui veut essayer d'ouvrir à Bagros. Il se trouve à Stratham, donc la capitale. Il y a quelque chose qui se trouve, c'est un marché qui, en fait, c'est une substance qui vient de Mistre, donc d'assez loin, une contrée assez éloignée, qui se nomme le café. Mais non. Oui, je vous jure. J'en ai entendu parler. Il paraît que c'est prodigieux. Vous avez entendu parler? Il paraît que le goût est exquis. Ben, on se fait dire, la personne qui a ouvert ce café nous dit ça, mais quand les gens ils vont y goûter, eh bien ils sont déçus. C'est trop amer, c'est dégueulasse. Pourtant, vous savez, moi je trouve ça ignoble que les gens soient malheureux à cause de choses comme ça. Alors c'est pour ça que je me suis dit, vous, Ulrich, quelqu'un d'aussi incroyable, de gentil, d'altruiste, qui ne ferait jamais de mal à une mouche. Ah, c'est vrai que c'est pas mal moi, ça, ouais. Et vous, Maxor aussi, qui êtes une super personne, qui ne tuerait jamais 9 personnes dans un accident de cloche. Vraiment, vous êtes des gens incroyables. C'est pas moi qui a sonné la cloche, hein. Attention. Je vous propose de simplement y aller et d'aller aider cette personne, car vous êtes des personnes incroyables. Eh bien, donc vous voulez qu'on se rende dans ces contrées lointaines pour aller chercher le café? Non. Au marché de Stratham. Oui, mais au café de Stratham avec la personne pour voir comment l'aider. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Mais écoutez-moi bien, monsieur Duc. Et je m'approche de lui comme ça et je le touche son torse du doigt. Je fais, nous partons. Il fait aller. Immédiatement. Ah bah c'est super. Ah, vous êtes quelqu'un d'incroyable. Mais capitaine. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Maxon? Je te rappelle. Oh non, mais. je te fais confiance. C'est juste que, hors game, je te rappelle qu'on a quand même volé la fiancée du prince de Bagros qui est à Stratham. Tout va bien se passer, mon petit Maxon. Est-ce que ton capitaine t'a déjà mis dans une situation dangereuse? Ah oui! Alors, je reformule. Est-ce que ton capitaine t'a déjà mis dans une situation dangereuse de son plein gré? Ben, j'avoue que sous l'influence de l'alcool, on peut pas dire que le capitaine... Alors, je reformule ma question. Est-ce que ton capitaine t'a déjà mis dans une situation dangereuse de son plein gré et sobre? Ah non, ouais, vous êtes jamais sobre. C'est bien pour ça. Bon, je reformule. Est-ce que ton capitaine... Est-ce que ton capitaine t'a déjà mis dans une situation dangereuse de son plein gré, sobre et... Et peut-être en ayant un peu pas fait exprès. Si la réponse est oui, écoutez... nous partons. Si la réponse est non, nous partons quand même. Écoutez, Maxon, franchement, regardez ce bougre. Il te tient les joues, Ulrich. Il te tient. Regardez ce bougre. Je serai intransigeant. C'est une personne hyper gentille. Vous devez lui faire confiance, Maxon. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que vous êtes le meilleur. Mais non, vous êtes le meilleur. Bref, il arrive 11h30, je dois m'occuper de quelque chose d'assez important sur la place centrale. Eh bien, vous ne nous avez pas donné les informations à transmettre à votre ami de la forêt de Bagre. Ah ben, juste le colis, tenez hop. Ah, très bien, écoutez, alors nous allons d'abord à Stratham régler ces petites affaires de... Comment vous dites le... À vrai dire, j'aimerais que vous commenciez par... Par la forêt de Bagre. Oui. C'est assez urgent, si je comprends bien. Ça vous ne dérange pas, bien entendu. Ah, mais on part tout de suite, cher Duc. On part tout de suite. Écoutez, super, merci beaucoup. On part tout de suite, putain, je pars avec un entrain. Mais genre, je sais pas pourquoi. Allez, on y va, là. Wouhou. La bonté et la gentillesse du Duc est contagieuse. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Allez, on y va ou quoi, là? Où on est des pédales? Wouhou. Alors, vous sortez et vous entendez sur la place centrale qu'on annonce la cloche Bang Bell qui est présentée par le sous-ministre du Duc Bonvivre et non par le Duc. Et la cloche explose, le sous-ministre explose et drame dans la ville. Qu'est-ce qui se passe depuis cette nuit? Il y a des explosions partout, quoi. Et vous êtes au courant de ça rapidement, et donc, c'est le bordel dans la ville. Petite musique, peut-être. Pardon. Ouais.
Bon, on alors... rejoint les autres et on se fait un peu discret, tu sais. On essaye en tout cas. Ah, mais enfin, on est sorti du palais en gueulant en mode Let's go! Donc. Alors, juste avant que Mao. Bah, juste avant que tout se passe comme ça, Mao, toi, tu t'es allé chercher des provisions. Avant qu'il y ait l'explosion. Mao, t'es allé chercher des provisions. Qu'est-ce que t'es allé chercher exactement pour qu'on règle ça rapidement? J'aimerais que tu me redonnes les tarifs de thé. Ah, bah, y'a aucun problème. Tu vas trouver un. Attends, c'est-tu ici? Non, c'est pas ici. Tu vas trouver un marchand de thé. Et il va te proposer donc. On a. Il te vend du thé noir pour 7 kraken, du thé bleu pour 10 kraken, du thé blanc pour 8 kraken, du thé orangé pour 4 kraken, du thé rouge pour 6 kraken et du thé vert pour 3 kraken. Ben, je vais commencer par le plus important, je vais prendre 10 thés bleus. Oui, donc 100 kraken, il te le descend à 90 quand même. Hop, tu. 90 yes. Kraken. Allez, du thé bleu. Et veux-tu d'autre chose? Non. Ouais, après ça, ça aurait été du thé noir. Combien? Mettons 6. Ok. Après? Ben, il reste combien après ça? Il te reste... Ça fait 125 kraken en tout, Adam. Il te reste 25 kraken. Ça fait qu'il me reste 25 kraken. La réflexion. Ouais, ouais, de ouais. Le reste, je vais prendre du thé blanc avec tout ce qui me reste. Avec 25 kraken, du thé blanc, donc tu peux t'en prendre 2-3. Mais ça va te coûter 20 kraken supplémentaires, donc il va te rester 5 kraken. Bon, je me les retire donc, quand même, moi, les 150, t'auras 5 kraken sur toi au pire. Ouais. Donc, t'as 5 kraken, 3 thé blanc, 6. Combien de thé noir? 6. 6 thé noir, c'est ça, on avait bon. Et 10 thé bleu. Alors là, normalement, vous êtes équipé. Parfait. Alors, ensuite, donc là, vous entendez la grosse explosion qui a été. Qui a tué le sous-ministre. Et. C'est le bordel dans la ville, les gens paniquent. Les gardes disent retournez dans vos maisons, calmez-vous, il y a sûrement des terroristes dans la ville. Oh non. Et c'est le bordel. Mmh. Henry Watson en ligne de mire. Et d'ailleurs, vous passez proche de Henry Watson, Ulrich et Maxor. Et vous. Vous l'entendez, il fait. En parlant de vous, il fait ce groupe est vraiment sympathique. Oh. Je les adore. C'est le good. Mais vraiment. Tous les. À chaque fois qu'il passe quelque part, c'est le bordel. Oh non. Ben... En même temps, je peux pas tellement lui donner tort. Il dit ça aux gardes avec qui il se promène pour essayer de vous trouver. Ah. Mais il dit, mais je les adore. Mais à chaque fois qu'il passe quelque part, il y a des problèmes. Eh oui, mais c'est pas nous. Amalgam. Il continue sa route. Il continue sa route. Number one in human shortcut. Moi, est-ce que. Tu sais, moi, j'ai comme été comme. J'ai tué comme une espèce de séquence avant que tout ça se produise pour. Ben, tu m'as dit que t'étais dans ta taverne encore. Tu m'as dit que t'étais dans taverne encore, tu restais faire tes petits trucs. Oui. Ok, ben, c'est bon. Ben, en fait. Ça. Ben, moi, quand que j'entends. C'est ça. Ben, tu sais, moi, quand que j'entends. J'imagine à un moment donné, j'entends les. J'entends l'explosion, la première chose que je vais faire, c'est. La première chose que je vais faire, c'est sortir pour voir ce qui se passe, c'est mon réflexe. Et je me doute bien qu'en fait, l'explosion, c'est la fameuse explosion que j'avais prévue, la Bang Bell. Ouais, bah en fait, tu vas te diriger vers ça, tu vas voir que tu vas entendre parler que le sous-ministre est mort, il faut protéger le duc. Donc, tu t'es dit yes, ça a fonctionné, le duc est vivant. Yes. Fait que là, dans ce cas-ci. Et Maxon, dans sa tête, est là, merde, l'épée. Ouais. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Bah en fait, je vais devoir me mettre justement. Logiquement. Moi, ce que je ferais, vu ce que j'ai fait de la veille, c'est que je me mettrais à la recherche un petit peu d'Henry Watson, de ce qui se passe et tout. Puis. D'accord. Alors, ça va pas être trop difficile, tu vas le croiser. C'est bon. Il se veut dire, ah ben, je vous cherchais, Ono. C'est bon. J'ai des questions à vous poser à vous et à votre groupe. Pouvez-vous me ramener à votre groupe? Ben, en fait, je sais pas où mon groupe se trouve, mais à ma connaissance, si vous étiez allé voir justement le duc de Bonvive, justement. Le duc Bonvive, eh bien... justement, il était avec lui, donc on peut... Eh bien, allons-y! Allons-y! J'ai pas de problème avec ça, je suis quand même content d'avoir eu raison, puis de vous en avoir parlé d'avance. Eh bien oui, ben écoutez, merci beaucoup. Vous vous dirigez vers chez le duc,
Et Ulrich et Maxor, que faites-vous? On les croise ou pas, les deux comparses? Ouais, là tu les vois passer, ouais, tu les vois passer. Oh non, il y a mon bateau avec Henri et 6 gardes. Mm-hmm. Et là, peut-être dans votre tête, vous vous dites... Oh non, il s'est fait prendre. Ouais, je pense que je suis en mode... Ouais. Et que, dans le fond, est-ce que moi je les vois, mes compagnons, ou ils sont chez le duc, ou les autres, lance-moi un jeu d'habilité perception. On passe à côté de toi, quasiment, donc à proximité. Lance-moi un jeu d'habilité perception. 6 ou plus bas sur un des 20. Bon, ça sera avec pour... un bonus de 4, 10 ou plus bas, allez. Attends, bon, ouh, oh, le système fonctionne. Oh putain, je suis tellement gentil. Alors, ouais. Tu les vois. Ok. Tes voix sont comme derrière eux, genre, sont un peu sur le côté, sont pas sûrs, sont comme... Je les vois, puis je leur fais signe, tu sais, avec un pouce, genre c'est correct, puis qu'ils peuvent s'en venir, puis qu'il n'y a pas de soucis. Ah, bon, ben on arrive alors, du coup. Bon, ben. Alors, vous... Oh, y'a mon bateau! Oh, j'ai mis une tarte! Ta gueule! Alors, Henri fait ah, les voilà! J'arrive, puis tu sais, je lui serre la main, puis je serre la main à tous les gardes! C'est bon, donc Bonjour. Ce que je vais faire, c'est que... Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je leur dis, écoutez, tu sais, j'avais eu un raisonnement hier concernant la demande assez étrange de Christopher de Montfort, puis il se trouve que finalement, j'avais raison, la Bang Bell a bel et bien explosé et était destinée à emporter le duc Bonvive, mais... Ah, mais c'était ça, le... Mais non. Oui. Mais on était avec le duc il n'y a pas plus tard qu'un quart d'heure. Ben, en fait, une chance que vous étiez avec lui, parce que c'est sûrement ce qui lui a sauvé la vie. Donc, ça, c'est la première des choses. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ce que je sais, par exemple, c'est que le duc est maintenant en vie. Je sais qu'on, visiblement, on a perdu le sous-ministre en contrepartie. Vous voyez le duc sortir du manoir? Henri Watson! Oula, énervé. Il a l'air un peu énervé. Oula. Henri, il le prend par le collet. Quelqu'un a volé mes perles de verre. Hein? Et quoi? Les perles de verre. Ouais, mais je lui dis, Ulrich dit... Des quoi? Il te prend par le collet, des perles de verre, mais calmez-vous, cher duc, voyons, nous allons retrouver l'auteur de ce larcin, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, Ulrich, le vol... En fait, là, tout est... C'est le bordel dans ma ville, c'est le bordel. Vraiment, c'est le bordel. Il y a eu un tremblement de terre, une explosion, et des vols. Cher duc, je vous jure. Vous savez que vous êtes en vie aujourd'hui, suite à notre conversation? Si nous n'avons pas pris le temps de discuter, vous étiez une des victimes de cet attentat. Oh mais je m'en fous! Mais enfin, cher duc, calmez-vous! Non! On m'a volé! On a tué des gens! Ulrich! Oui! Faites attention! Vous inquiétez pas, cher duc. On va les retrouver. Henri! Henri, Jean. Oui! Le duc est de même trouver le coupable. Et je prends Henri par le callback, je fais Henri. Trouver le coupable. Non non, les gardes ils vont te saigner si tu fais ça. Mais non, ils voient bien que je suis avec le duc. Ulrich, faites attention, vous êtes selon moi vous faites partie des principaux suspects. Le suspect alors que j'étais moi-même en train de discuter avec le duc. Mais vous manquiez pas de toupet, l'ami. Peut-être que vous avez volé les perles de verre. Les perles de verre, mais je ne savais même pas ce que c'était. Attendez, on parle de cloches, de bombes ou de perles de perles de mon truc là. Wow, wow. Alors vous accepteriez qu'on vous fouille, Ulrich? Oui, je les ai laissés au bateau, donc je m'en bats les couilles. Quoi? Moi les perles c'était pas sur moi, donc ils peuvent me fouiller. Ah oui, t'es sur toi? Bah non. T'es appris? On est retourné à la taverne. Bah oui, mais à la taverne t'as pas laissé tes perles. On a laissé notre stuff parce qu'il y avait Ono. On revient à la taverne après. Vous l'avez plus là votre taverne? C'est-à-dire que c'est Ono qui a les perles. Parce qu'en fait, on a laissé notre stuff parce qu'après, on devait aller voir le duc de Bonvivre, revenir à la taverne et se barrer, quoi. Oui, bah c'est bon. Quoi, le duc de Bonvivre? C'est le duc... Duc Bonvivre, pardon. Duc de Bonvivre, excusez-moi. Alors, Henri te fouille, il ne trouve rien. Il dit, ça vous dérange pas si je fouille Maxor et Ono? Enfin, mais voyons, on peut pas faire ça plus tard, il y a une explosion, vous nous parlez de perles là, on trouvera les larcins, l'auteur de ce larcin plus tard. On va vous aider, Luc, mais là faut qu'on trouve quelque chose. Il y a la population à mettre à l'abri, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés. Je sais ce qui se passe. Une chose à la fois, cher Duc, nous devons d'abord mettre à l'abri la population. On ne sait même pas s'il n'y a pas d'autres explosions possibles. Alors vite, c'est parti, let's go là.
Non mais la population est déjà en train de se faire mettre à l'abri, tout est sous contrôle. On ne sait pas s'il y a encore... Il faut fouiller la ville de fond en comble, on ne sait pas s'il n'y a pas une autre explosion de prévu, Duc. Ulrich, laissez-nous fouiller votre groupe, et nous nous occuperons de la suite. Tu m'emmerdes. Bah, allez-y. Non mais c'est quoi cette tête? Il fouille Maxar. C'est quoi cette... Il fouille Maxar. Est-ce que pendant qu'il fouille Maxar, je peux aller voir Renaud et lui faire les perles? Les perles. Ah, c'est ton Dax. Okay. Ah, c'est ton Dax. Je lui fais les perles, mais pour pas que ce soit suspect, je lui fais oh non, la situation est catastrophique. Et puis je le prends un petit peu par les épaules au niveau où j'y prends la main. Fais-moi les perles. Quel homme. Maxar. C'est bon, je suis prêt. Alors, Ono, si tu veux donner les perles à Ulrich, il va falloir me faire un jet de dextérité. Là, faut pas le foirax, là, parce qu'on est dans la demeure. Si je plus monstre, jamais, est-ce que si jamais je le fous mort, je vais juste. C'est ça. Une vue. C'est une perle qui s'échappe par terre. Ouais, c'est exactement ça. 10 ou plus bas. C'est 10 ou plus bas, c'est 2. C'est une chance sur 2. Allez. Ok. Mais par exemple, moi je le sais pas que les perles sont dedans. Hein. Moi je le sais pas que les perles sont dedans. Bah c'est ça justement, c'est encore plus drôle. Allez, okay. Plus boss. Ben moi je suis comme, ben pourquoi est-ce que j'y donnerais? Je sais même pas qu'ils sont dedans. Ils me l'ont dit. Il te le demande, tu y donnes dessus. Ma question c'est, est-ce que tu y donnes? Est-ce que tu me donnes le petit paquet quoi, le petit? Bah est-ce que tu lui donnes son sac, tu sais? Ouais. Est-ce que c'est... Je demande mon sac. Logiquement, oui. Ok, ben je vais y donner, mais écoute... Alors, 10 sous plus boss sur un demain. Let's go! Alors aucune perle tombe, tu lui donnes le sac, il passe sur toi, il te fouille, mm-hmm. Il regarde ton sac, oui. Il a un fléau avec une cloche, oui, et il fait, mais qu'est-ce que c'est? Ça en fait, tu sais quand je vous avais dit que j'avais un informateur qui avait travaillé sur la cloche là, voici des pièces à conviction. Oui, ben en fait c'est, tu sais, en échange justement de ces infos-là, puis d'enquêter auprès de vous, parce que tu sais, dans le fond, tu sais, j'avais comme pas à m'emmêler, je sors de nulle part, il m'a donné ça en récompense. Un instant, mes chers amis, on est amis. Oui. On a partagé des mangues ensemble. C'est vrai, vous avez raison. Je suis en train de réaliser qu'à chaque fois qu'on se croise, à chaque fois que je vous vois, il y a un bordel, sans nom. Bon, on est actif, c'est... En même temps, on peut pas tellement vous donner tort sur ce point-là, mon cher Henri. Et nous-mêmes, nous sommes un petit peu dans la compréhension et nous allons finir par croire que nous portons malheur. Oh non, il y a mon bateau. Oui. Vous êtes venu me voir. Mm-hmm. Avec une information capitale qui était que... Christophe Montfort. Oui. Possédait une cloche qui s'appelait la Bang Bell avec des explosifs dedans. C'est avéré vrai. Comment le saviez-vous? Comme je vous ai dit, j'ai un informateur qui a parlé sur la cloche. Mais ça reste suspect. En fait, je vais être franc avec vous. Surtout que le duc Maxar a informé le duc qui voulait qu'il aille à la place centrale pour inaugurer Bang Bell. Ben, comme je vous ai dit, en fait, à la base... Ah, c'est son informateur, hein? Moi, c'est le forgeron qui me dit... En fait, je vais être franc avec vous, monsieur Watson, je n'ai pas impliqué mes compagnons dans cette enquête parce que, avant d'être certain de ce que je disais, je voulais pas leur en parler. Mais par rapport à l'enquête, ce n'est pas ça mon point. C'est que Maxar, hier, dans la journée, est venu voir le duc Bonvivre en lui disant « Vous devez assister à l'inauguration de Bang Bell. » Okay. Ben oui, mais on et on apprend aujourd'hui que Bang Bell va exploser. Ah bah moi je le savais pas. Hein. Écoute, c'est lui là le... C'est lui, là, ça le, c'est la le... première chose. Le Shindok là qui disait ça. Là. Ensuite, on est d'accord, vous êtes allé dans un magasin de cloches hier. Dans la journée, vous êtes allé dans un magasin de cloches. Ok, pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur Watson, pouvez-vous me promettre que si je vous dis comment j'ai obtenu l'information, vous allez me promettre de protéger l'informateur jusqu'au bout parce qu'il a risqué gros pour ça. J'ai besoin que vous me fassiez la promesse. Y'a pas de problème pour ça, oui. Colonel, sur l'honneur. Oui, aucun problème. Écoutez, tout pour la résolution des crimes. Quand j'ai le temps, je n'ai pas trouvé les coupables, je ne m'arrête point. Et... Sachez-le, oh non, y'a mon bateau. Mm-hmm.
Fait que j'ai dit très bien. Alors, je vous raconte du début à la fin ce qui s'est passé. On est arrivés les quatre ensemble en ville. Non, mais je veux pas le début. Justement, êtes-vous rentré dans un magasin de cloches? Ben, hey, attends, laissez-moi finir, monsieur Watson. D'accord, mais qui est votre informateur? Ok, mon informateur, puis là, je lui ai dit, en chuchotant, c'est Alexandre. Que, d'accord. C'est Alexandre. Un vendeur du magasin de cloches le plus célèbre de la ville. C'est ça. Qui donc... a comme affiche cloche magique à vendre. Et je retrouve dans votre sac un fléau avec des cloches, qui est une arme de combat, une cloche de combat. Donc, comme je vous le disais, hier, après avoir passé chez le forgeron, donc Christophe de Montfort, et qui nous a dit, allez-y avec ça. Comme je vous ai dit hier, quand on s'est vu, au début, j'ai sorti, je me suis dit, c'est correct. Puis finalement, je me suis réfléchi, je me suis dit, ça n'a pas de sens qu'il nous offre sa belle épée en échange de quelque chose qui semble aussi banal. Il y a forcément quelque chose derrière. Donc, quand il a parlé de la Bang Bell et que j'ai vu le magasin de cloches, je me suis dit, cloche magique, pourquoi pas chercher des informations sur le sujet. Donc, je suis rentré et on m'a dit, ah, il y a des cloches et tout. Et là, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des cloches magiques? Et là, la patronne m'a répondu, non, il n'y en a pas. Et elle a refusé systématiquement de confirmer cloche magique. J'ai posé des questions sur la Bang Bell, elle dit, elle n'avait pas d'informations. Et là, Alexandre est venu me voir subtilement, il m'a dit, j'ai des infos pour vous, monsieur. D'accord, donc Alexandre avait des informations sur Bang Bell. Exactement. Il savait que la cloche était explosive. Et c'est ça. Et il m'a dit, j'ai pas participé à la construction de la partie explosion, mais j'ai participé à l'architecture et tout, mais je savais qu'il y avait ça de prévu. Donc, il savait que la cloche était explosive et il n'est même pas venu voir les gardes. Probablement parce qu'il avait peur puis il voulait que ça se résolve d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il avait peur de pas être cru, je sais pas, ou peut-être que... j'ai aucune idée du pourquoi est-ce qu'il est pas allé vous voir. Moi, je sais qu'il est venu vous voir pour moi. Pour me dire, voici ce qui se passe, mon intérêt et tout. Donc, c'est ça. Mao, tu n'es pas là, Mao. Ma question était, est-ce que je passe proche de cet endroit-là à un moment donné dans l'histoire? On va dire que oui, à un moment donné, tu passes. Est-ce que je comprends, tu sais, j'entends la conversation puis je comprends un peu ce qui est en train de se passer? Ouais. Parfait. Ben, j'aurais peut-être une idée si je comprends ce qui se passe. C'est quoi? Vas-y. En fait, c'est vraiment la ville des cloches, donc il y a des cloches partout, on s'entend. Est-ce que je peux aller dans un des bâtiments aux alentours où est-ce que justement il y a une cloche à son sommet? Oui. Ah, il va sonner une cloche. Et, d'accord, arrêtons-le pour l'instant, un instant. Ok, on continue nos discussions. Il dit, mais j'ai un autre point à apporter. Mmh. J'ai parlé avec Emma hier soir. Oui. En fait, j'ai parlé avec Emma ce matin et nous avons discuté du meurtre de Suzy Biron. Ok. Et elle m'affirme que vous l'avez obligée à tuer Suzy. C'est complètement faux. Et je m'inscris en faux. Par rapport à ça, savez-vous quoi? J'ai été la personne qui a tout fait pour empêcher Emma de s'en prendre à Suzy Biron. Elle m'a dit, je veux la tuer, je la déteste, je veux la détruire. Oui, mais quelle est la preuve que c'est vrai? J'ai deux informations. Quelle est la preuve que elle... Quelle est la preuve que c'est faux? C'est ça. On est rendu là. Mais je m'inscris en faux face à ça. Mais justement, vous rendez coupable si vous dites ça avec ça. Mais non, c'est juste c'est une parole contre une autre, mon cher Henri. Oui, voyons, vous êtes bien au-dessus de ça. Oui, sauf que Emma... n'a pas été dans une ville et quand ils sont arrivés dans la ville, il n'y a pas eu un accident de 9 morts avec une cloche. Ou ce que je vois aussi, que vous avez une des cloches magiques. Il n'y a pas eu qu'ils sont allés voir le duc pour dire allez voir Bang Bell et que la Bang Bell a explosé. Mais là, vous mélangez deux affaires, voyons. C'est des arguments qui sont fallacieux. Vous savez, on peut trouver, quand on cherche bien, on peut trouver des corrélations avec n'importe quel aspect, que ce soit sociétal, économique ou n'importe quoi. On appelle ça du complotisme. Oui, mais Ulrich, nous nous avons un problème. Tu sais, je vous adore. Oui. Je vous adore. Moi, ce que je... Écoutez, mon cher Henri, sans vouloir vous couper, moi, ce que je vois, c'est juste que vous avez interrogé une prisonnière qui se dit elle-même coupable, puisqu'elle dit qu'elle l'a tuée. Mais après, elle veut accuser quelqu'un d'autre en disant qu'on l'a forcé à tuer. C'est sa parole contre une autre parole. Et qui plus est, si vous êtes en termes de témoignage, nous pouvons témoigner que Ono était probablement la personne sur le bateau qui était en plus... à même à protéger notre regretté défunt, parce que je vais pas vous mentir que parmi tous ses serviteurs ou quoi qu'il y ait, on n'apportait pas vraiment dans notre cœur. Nous, nous avons fait notre travail, il y a eu un dérapage au sein de ses propres employés, elle admet avoir commis le crime,
terminé. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus à chercher. En tout cas, vous n'avez pas de preuves suffisantes pour incriminer un membre de mon équipage. Elle admet qu'elle est l'outil d'une manipulation concrète. Mais personne ne peut appuyer ses propos. Mais en vrai, là, ce que je me suis dit, c'est... Oui, peut-être, mais quel serait le motif pour votre groupe de la tuer? Mais on n'a pas de motif. Quel serait le motif à part d'être mêlé à une enquête qui, déjà, malheureusement, pourrait peut-être encombrer notre... Mais je me suis rendu compte que vous aimez l'argent. Suzy est quelqu'un de riche. Il faut l'argent, vous savez que... Avez-vous pris l'argent de Suzy Biron? Elle avait de l'argent sur elle. On n'était même pas au courant qu'elle avait de l'argent. Nous avons fait notre travail. Elle était riche, mais on n'était pas au courant. Elle avait de l'argent sur elle, parce que nous avons retrouvé le cadavre. Et il était dans l'eau. Okay. Et elle n'avait pas d'argent sur elle. Dans l'eau? Oui, il a été jeté à la mer. Okay. Mais il était sur notre navire. Oui, elle était sur notre navire, puis comme on vous avait dit... Je pense qu'il va falloir... À mon avis, votre meilleure piste est la suivante. Notre bateau a été volé avec le cadavre. À mon avis, c'est les personnes qui ont volé le bateau. Et nous savons à peu près de qui il s'agit. Vous m'avez dit exactement que vous étiez là quand que Emma a tué Suzy. On était à bord, oui. Oui, on était à bord. Alors, ce n'est pas... Alors vous êtes en train de me dire que ce serait eux ceux qui ont volé le tonneau hurlant. Vous êtes en train de vous contredire dans votre... Non, mais absolument pas, mon cher Henri. Voyons, ressaisissez-vous, c'est ridicule. Ressaisissez-vous, essayez de faire preuve de compréhension. Nous vous disons les choses suivantes. Pourquoi aurions-nous gardé un corps et pour le rendre aux autorités si ça nous avait mis dans une situation pareille? Si nous avons voulu la détrousser... Écoutez-moi, mon cher Henri, ne me coupez pas, mon cher Henri. Si nous avions voulu détrousser cette jeune personne, nous l'aurions... Nous aurions juste simplement assassiné, nous aurons brûlé le corps, maquillé quelque chose, ainsi que volé ses effets personnels. Là, nous avons pris le temps de conserver son corps dans un stock de sel qui plus est précieux pour un équipage comme le mien, afin de remettre son corps et de dénoncer aux autorités. Vous avez trouvé la personne qui a tué cette pauvre Suzy. Elle l'a elle-même admis. Maintenant, vous nous dites que vous avez retrouvé son corps à la mer alors que notre bateau a été pris par une sorte de puissance gouvernementale. On ne sait pas trop ce que c'est. Et vous nous dites que c'est de notre faute. Mais mon cher Henri, je pense que soit vous délirez totalement, soit vous n'avez pas compris l'histoire, soit vous êtes... On a la voix de Jay. Il est perturbé. Merde. Alors, je vais revenir sur certaines informations. Car j'ai ici un message écrit, et je peux vous dire que ça a pris du temps avant de recevoir ce message écrit par Jean-Jacques Eustache du Granola. Oui. Qui annonce que Maxor est allé à l'ambassade de Magros pour informer qu'il avait le corps de Suzy Biron sur son bateau et qu'il était prêt à le vendre. Ah! De quoi le vendre? Je pense qu'il y a méfait, parce qu'à mon avis, il était venu dire... Mon cher Maxor, on est d'accord... Dans l'épisode... Alors écoutez, moi je ne suis pas au courant de cette information. Moi ce que je sais, c'est que notre cher Maxor a voulu se renseigner auprès de l'ambassade afin de dénoncer cette affaire, mais en même temps dans la discrétion, car vous convenez bien que voilà, nous ne voulons pas non plus que déjà être mêlés ou que les gens pensent des choses de nous, et en plus que son assassinat se réporte. Mais écoutez, je suis désolé, mais moi il me semble que vous surinterprétez les choses, mon cher Henri. Et si vous n'avez pas de preuves plus tangibles qu'une simple prisonnière qui essaye d'accuser les personnes qui l'ont fait débarquer et qui a abusé de notre confiance finalement, eh bien je suis désolé, mais nous n'allons pas pouvoir avancer plus et on va couper court à l'affaire. Je suis désolé. Pour Suzy, d'accord. Maintenant, pour l'histoire du fléau. Ah ça, le fléau, je dois vous avouer, mon cher Henri, que je découvre l'information avec vous. Là, par contre... Oui, que pouvez-vous dire, Renaud, là? comme je vous l'ai dit, vous l'avez dit tantôt. Vous nous avez dit, hey, vous aimez l'argent. Désolé, mais on a besoin d'argent pour pouvoir naviguer, avoir des provisions, survivre et quoi. Réponds! Ouais, je m'en dépose, là. Vous frustrez, fermez vos gueules. Mais oui, taisez-vous, il écoute, là. Ouais. Hey! Bon. D'ailleurs, il commence à avoir une troupe de gens qui s'amènent autour de vous. Okay. Vous êtes comme devant le manoir, il y a plein de gens qui regardent la scène. C'est ça. Bon. Fait que là, je dis, bon. Fait que là, comme je vous ai dit, j'ai eu, vu qu'il y a du monde
Vu qu'il y a du monde, je vais taire les noms, on s'entend, parce que là, c'est plus, ça vous regarde vous, ça regarde pas les gens qui sont autour. Comme je vous l'ai dit, après ça, ben moi, ça a pas été compliqué. Il me dit, ben écoute, pour te persuader de le faire, parce que j'étais pas très chaud à l'idée de m'impliquer dans une quelconque enquête qui me regarde pas, en fait, je veux dire, j'ai un peu rien à foutre, si je puis dire, en fait, de la ville, si je peux dire ainsi. Je veux dire, moi, je suis ici, je fais mes petites affaires, je suis pas là pour me mêler de politique ou de quoi. Fait que moi, il me dit, tiens, voici un cadeau pour y aller, puis ben, j'ai dit, ben parfait. Puis vu que je suis quelqu'un qui respecte sa parole, puis je suis quelqu'un d'honneur, ben j'ai honoré ma parole et je suis venu vous en parler, comme je l'avais d'accord, dit. D'accord, mais et ça n'explique pas le fléau. Je vous l'ai dit, il me l'a donné, c'est le paiement. Ouais, alors il vous a donné un fléau pour... Alors, nous allons discuter maintenant avec Alexandre, bien entendu, devant. Alors, nous allons essayer, donc. Je n'ai pas assez de preuves pour vous inculper, mais sachez que vous êtes en haut de la liste sur la plupart des crimes que nous avons ici. Je ne peux pas vous inculper encore. Nous nous reverrons. Je vais en retourner chercher des informations et élucider le mystère. Sachez, par exemple, que vous feriez mieux de partir le plus vite possible de ma vue. Car, quoique, si vous voulez rester, j'en serais gré. Je prendrai en compte que vous avez collaboré au fait de répondre à vos crimes. Mais nous nous reverrons, sachez-le. C'est bon, parfait. Monsieur le Duc, suivez-moi, nous allons trouver vos perles de verre. Il fait putain, en plus, elle m'était donnée par quelqu'un d'agréable. Non. C'est bon? Ouais, c'est bon. Yes. Bon, parce qu'on a des trucs à faire. Hein. Non. Commence à doucement me faire chier, l'autre, là, l'inspecteur mes couilles, là. Hein. Bon. Regarde. Pourquoi est-ce que tous les inspecteurs ils cassent les couilles dans les couilles? Parce qu'à chaque fois vous foutez le bordel! Mais comment ça? Mais le pire c'est qu'on est vraiment une bonne foi quoi, c'est terrible! JPP! La première chose que. Ce que je vais essayer de faire, par exemple, avant qu'on parte, c'est d'essayer de trouver ce fameux Alexandre-là, ah, tu sais, si on le croise en chemin ou quoi. Alors c'est pas j'ai débilité perception, c'est super. Et du mettre une balle dans le crâne? Non, pas lui mettre une balle dans le crâne, parce que si il se fait. Ça, si il se fait interroger. Vous allez être coupé, là, vous allez être... Oh yes! Alors tu vois, il est accompagné par des... En fait, il est avec une troupe de garde aussi, tout le monde, genre, avec une troupe de personnes pour les amener dans un coin plus sûr, pour éviter qu'ils se fassent attaquer. Ok. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que dès que... Les gardes vont finir par le lâcher, j'imagine? Ouais, là, ils vont le lâcher, mais il va être avec plein de monde dans un endroit reculé pour éviter... éviter d'être... de se faire attaquer par des terroristes. C'est bon. Fait que c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est, si eux autres, ils veulent partir puis s'en aller tout de suite, j'y rattraperai, c'est pas grave, mais je vais aller le chercher lui pour qu'il s'en vienne avec nous autres puis que... Ah oh ben là, si vous allez... Là, Henri va vous rendre hyper coupable. Non, mais c'est, tu le fais tout seul, hein. Si bah ben, oui, je le fais tout seul. Ah mon dieu. Alors, tu veux aller chercher... Oh, Alexandre est là, il te regarde, il fait... Oh non, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'y l'amène subtilement, j'ai dit, écoute, mes compagnons, c'est des gros colons, ils ont fait... Ah si, ils ont touché à la cloche qu'il fallait pas parce qu'ils sont cons. Vous avez touché à la cloche qu'il ne fallait pas sonner? Ben oui, parce qu'ils sont cons, mais moi j'ai rien fait, j'ai dit de pas faire ça. Mais c'est la seule cloche qu'il ne fallait pas toucher! Mais c'était clair pour moi, mais écoute... La cloche de siège! Okay. C'est pour détruire des forteresses entières! Ah! Okay, ben, donc, Alexandre, écoute. Fait que là, j'y raconte la version que j'ai dit à Henri. Merde! Là, j'y raconte la version que j'ai donnée à Henri, puis j'ai dit, écoute, il va te chercher, puis il va vouloir t'interroger. Écoute. Écoute. Le fléau, tu m'as l'offert en cadeau, n'est-ce pas, hein? Non! Hmm? Vous l'avez non, mais... pris! Hmm. Écoute. Quoi? En ce moment, écoute, si tu veux pas être accusé de culpabilité, écoute. Ce qui serait important, c'est que les versions concordent. Parce que là, bon, dans le fond, eux autres, ils ont... Dans le fond, si je t'explique, ils ont soupçonné. Ils comprenaient pas pourquoi est-ce que j'étais au courant que la cloche allait exploser. C'était grâce à toi, j'ai voulu te protéger. Puis je lui ai fait jurer de ne pas s'en prendre à toi. Mais là, ils veulent absolument te parler, t'interroger pour savoir et tout. Écoute, moi, je me suis assuré que t'avais pas de problème de mon côté. Et moi, ce que je te demande simplement en échange, en fait, parce que je t'ai demandé aucun paiement, en fait. Je t'ai payé le retour même. La seule chose que je te demande, c'est... corrobore nos versions. Le fléau, tu m'as l'offert, c'était ma paye pour avoir empêché la catastrophe sur le duc. Puis, est-ce que ça te convient? Écoutez, je verrai. J'ai pas les esprits clairs en ce moment. Laissez-moi tranquille, en allez-vous-en. Écoute, moi, en attendant, je vais dire au capitaine, je vais dire, bon, écoute, à ce qui paraît, il y a une prime sur la tête de Ono, donc, étant donné...
étant donné la merde qu'il apporte et le peu. Mon petit Maxor, tu vas te calmer 2 minutes. La personne qui viendra descendre un méga pour aller chercher du pognon, il est pané. Je te le dis, moi. Donc, cassons-nous. Allons faire une balade en forêt et ça va faire du bien à tout le monde. Cette ville, de toute façon, cette ville pue la merde, Max. Je préfère te le dire. J'en ai marre. Moi, j'aime pas les cloches. Il y en a partout. Il y a des inspecteurs qui se branlent avec 2-3 versions. Là, en mode, j'ai interrogé machin. Ils ont dit que c'était vous. Non, mais oh, je suis le capitaine Ulrich Clayton. Direz-vous. Tu sais, t'as tout le monde qui va me regarder là. Donc. Justement, déjà, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Donc. Balade en forêt. Voilà. J'essaye esprit éloquence pour le calmer. Ulrich? Non, ah, Alexandre. Tu lui dis quoi? Je lui dis, regarde, écoute, je comprends, hein? Calme-toi, ça va aller, ok? Il y a pas personne, il y a pas de terroriste qui va t'attaquer, comme je te dis, c'est vraiment, comme t'avais dit, c'est... La cloche était programmée pour exploser, puis c'est mon phare qui est le responsable. Mais c'est pas des terroristes, ils ont juste voulu s'en prendre au duc. Mais c'est vous qui me faites peur, c'est des terroristes pareils? C'est vous qui me faites peur! T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Puis j'essaie de prendre un ton qui est doux, ok? Ok, mais là, les arguments sont pas excellents. Je vais te donner un malus de 5 sur ton esprit là. Quand ouais. J'accepte ton jeu. Voilà, ce serait un échec. J'ai accepté ton jeu parce que t'as 5 de destin, mais c'était pas de très bons arguments. Il va te dire, écoutez, c'est... laissez-moi tranquille. C'est bon, parfait. Fait que, j'ai essayé de le calmer. Fait que je m'en vais. Puis, c'est ça. Puis, on va sortir de la ville, puis je vais rattraper les autres. Alors. Bon. Vous sortez de la ville. On leur explique le délire avec la forêt de Bagre, tout ça, un Colliamet, puis que ça va un petit peu nous aérer l'esprit, puis on va en profiter pour faire du team building. Parce que je sens qu'il y a des tensions au sein de notre groupe, là, entre Maxor... J'ai pas entendu, capitaine. Maxor, il veut vendre la tête de Ono. Ono, le pauvre, il essaie de s'en sortir pour le groupe, parce qu'il y a des débiles, quand ils vont faire un larcin, il y a une cloche à pas sonner, qu'est-ce qu'ils font? Ils la sonnent. Donc, et je sens que le groupe est un peu tendu, quoi, tu vois. Alors, Esteban est là, vraiment, je commence à douter... que j'ai envie de continuer sur la partie de votre équipage. Oui, mais il y a une chose pour laquelle vous ne doutez pas, Esteban. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? Je lui montre une bourse plein de pognon. Ah bah justement, vous en parlez. Oui. J'aimerais monter mon quota. Non. Ah, c'est... Je pense que c'est pas la bonne décision à prendre, mon cher Esteban. Mais nous vous écoutons. Mais écoutez, je suis à 7%. Je suis le seul membre de l'équipage que vous avez rajouté. Alors j'aimerais avoir... Je demande... 10%. 9%. De chaque mission. 10%. 9%, c'est très bien, 9%. 10%. 9%, et si vous êtes bon, 10%. Mais je suis bon! Alors prouvez-le! Mais j'ai pas de me prouver! J'ai sauvé la vie à Mao! J'ai sauvé la vie à Ono! Je vous ai sorti de tellement de problèmes! Vous avez fait votre travail! En même temps, on vous paye à hauteur de 8%. Donc. De 7%! Eh bien, 9%! Rajoutons 2% par chaque mission réussie. Mais écoutez, 2% par mission réussie? Mais 2%... Non! 2% par grosse mission réussie. C'est-à-dire, quand on a récupéré notre navire, ça part à 2%. Quand on sort... Non. Je vous propose mon 10%, sinon je m'en vais! Vous me foutez dans la merde partout où ce que je passe. Écoutez, c'est le bordel. Prenons votre somme actuelle. Je dois être recherché un peu partout. Écoutez, je vous propose quelque chose qui est difficile de proposer, d'accord? Prenons votre somme actuelle, d'accord, de pourcentage. C'est 7. Et mettons-le à 100% pour chaque mission réussie. Ouais. Quoi? Vous prenez ce que vous gagnez actuellement et vous obtiendrez 100%. De ce que vous gagnez actuellement pour chaque mission réussie. Mais c'est de la merde! C'est exactement ce que vous m'offrez depuis le début! Sauf que si je rate la mission, je perds mon quota! Mais c'est nul! Attends, là je vois, je fais Esteban, bon écoute, accepte le 9% puis je te donne mon 1%. Non! Je veux que le capitaine. Le capitaine te propose 100% de ce qui t'est dû si tu réussis la mission!
C'est beaucoup 100% quand même, Mino. Oh putain. Non, mais là, vous me prenez vraiment pour un con, les mecs. Un petit peu, c'est vrai, il est vrai. Est-ce que c'est parce que je suis sosnoyen, Ulrich, que vous me prenez pour un con? Non, voyons, c'est pour taquiner un peu, vous savez, on vient tellement de vivre des choses un peu traumatisantes, on en a plein le cul là, hein. Mais c'est pour ça qu'au lieu de vous proposer 15%, je vous en demande seulement 6. 9% et une bouteille de rhum. Non, je bois pas, je vous le savais depuis le temps, Ulrich. Et j'ai une bouteille d'eau magique qui se remplit tout le temps. Alors vous me la donnez. Je vous la donne, mais vous êtes à 8% alors. Non. Non, faut allez, non, non. Comment ça, non. Est-ce que t'acceptes? Est-ce que tu sais pas? On a eau illimitée. Avec cette bouteille. On sauve énormément d'argent, ça. Prêtez, bon, je lui prends la main et je lui fais 10%. Allez, hop. Allez, bon. Il m'emmerde. Bon, vous arrivez près de la forêt. Donc, on va se mettre la petite forêt. Ulrich, il a deux doigts de faire un peloton d'exécution avec l'ensemble de son équipage, là, actuellement. Ah, je suis pas de forêt. C'est quoi cette merde? Oh là là, nul. Ouais. Eh bien, merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, c'est énorme. Mais non. Allez, cette image-là est parfaite. Donc, vous... Ah non, elle est trop petite. Oh! Non, trop petite. Oh là là. Oh! Elle est bien celle-là. N'hésitez pas à envoyer vos dons à la fondation Nick ta mère le JDR. Afin de... la tête de Maxa. Afin de récolter des fonds suffisants pour pouvoir préparer des JDR comme il se doit. C'est des gens qui faisaient un truc de Kickstarter comme ça où est-ce qu'ils voulaient récolter genre 2000$ pour faire un JDR. Non mais attendez. Un JDR Roll 20. Ouais. Mais c'est des cons. Voilà. C'est un scam. Hein. Allez, vous êtes dans la forêt de Bagre. Oh, hey, on est sur Green Hell. Oh là là, Non. Vous êtes dans la forêt de Bagre. Donc, je fais une proposition pendant le chemin. On teste les cloches. Vous voulez tester les cloches? Quoi pas. Je suis d'accord. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Alors, Mao, tu sors quelle cloche pour commencer? Les boucles d'oreilles. Est-ce que tu les mets? Ben, est-ce qu'il faut que je les mette ou faut juste que je fasse sonner la cloche? Ah, c'est des boucles d'oreilles, donc faut les mettre. Est-ce que t'as les oreilles toutes? Je vais me percer les oreilles, écoute, hein. Alors, tu vas perdre... lance-moi un jet de habileté savoir-faire. Si tu réussis, tu perds pas de points de vie. Alors, tu as... En habileté savoir-faire, tu as 12. Oui, il fait 12. Oh! Ça passe. Parfait, donc tu ne perds pas de points de vie. Tu mets les boucles d'oreilles. Mm-hmm. Alors, tu ne pourras plus jamais les enlever. Donc elles sont pris maintenant là, mais tu as plus 2 en éloquence. Quoi? Ah ouais. Alors là, on te trouve les personnes autour de toi te trouvent encore plus beau qu'avant. Ce sont des boucles d'oreilles irrésistibles. Hé, hey, attention à ce que tu fais avec ma fille. Non. Fais gaffe à tout. Il reste le collier et le fléau. Mec, mets-toi le fléau à la place de ton bras. Ça serait trop. Moi, j'aimerais bien avoir des objets parce que moi, j'ai rien acheté. Je tiens à vous rappeler, hein, depuis le début. Ben, check à... t'as le fléau, mec. Ouais, ben, en fait, c'est que je me demande si je le donne pas à Maxor. T'as quand même le codex Runica, là, avec toi, là, mais bon. Ah, mais en vrai, j'étais en train de me demander si Maxor serait pas mieux l'utiliser que moi. C'est ça l'affaire. Tu veux le fléau, Maxor? J'ai déjà un trident. À voir. Est-ce que si j'essaie le fléau, il... En tout cas. La vie d'extérieur. Moi, j'essaierais l'amulette, par exemple. Tu veux essayer l'amulette? Oui, j'essaierais l'amulette. C'est moi qui ai l'amulette, hein, je suis pas d'accord. Est-ce que tu me la parais? Mais essaye le fléau, c'est toi qui l'as, si Maxor le veut pas. Bon, non, ben... mais s'il veut me le passer, alors je le prendrai bien. Bon, les enfants, vous répartissez les jouets, là. Hein. Ouais, allez, et Esteban, il dit, je peux savoir le fléau? Nique ta mère, toi. Pardon. Alors, je vais essayer le fléau. Tu fais quoi avec le fléau? Je vais prendre le fléau. Tu frappes quelqu'un? Non, je vais foutre. Non, mais je vais frapper un arbre, mettons. Ok, donc c'est toi qui prends le fléau? Ouais. Alors, tu prends le fléau, tu frappes l'arbre, ça frappe l'arbre. Les cloches ont de l'air solides. Ok, je vais. Ben, fais les sonner peut-être, je sais pas. Ben. Ok, je vais les faire sonner.
évidemment. Ah. Alors ça ne change rien, ça sonne, c'est tout. Bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être un cobaye? Non, bah, non, vas-y, non, 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 non. Bah, c'est ça. Esteban, pour combien prendriez-vous pour être frappé par un fléau? 100 kraken. Combien? Combien? 100 kraken. D'accord, va pour 2 kraken. Maxor, tu peux y aller. Non. Essayes-tu de frapper? Non. Ok. En vrai, il doit y avoir un animal quelque part qui... Tiens, je sais pas. Tenez, Esteban, j'ai un cadeau pour vous, comme ça, tout le monde aura de quoi. La gourde d'eau. Je prends la gourde d'eau et... Non, je lui donne la petite cloche que m'a donné le duc. Il la prend. Mais c'est de la merde, il te la lance dessus. Non, mais je t'ai... Regardez bien, c'est une cloche magique. Mais non, mais vous me prenez pour un con. Non, si vous vous la mettez au cul, croyez-moi qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Alors faites-le. J'en ai déjà eu. Par exemple. Alors, mais qui prend l'amulette? Moi, j'aimerais ça l'avoir, personnellement. Je vais lui laisser l'amulette parce que je suis une personne gentille. Merci. Alors, bien, Mao, je te fais un bisou. Est-ce que tu le mets, l'amulette? Oui. Alors, tu ressens que t'es plus fort dans la magie que tu connais, qui est la magie des étoiles. Ah, oui! Donc, tu as plus un en magie. Ah, ok, yes, dégoûté. Sir. Est-ce que tu peux l'enlever? Attends un peu, je viens de me faire appeler. Il y a pas de créature que je suis en JDR, qu'est-ce que tu fous, là? Ok. Est-ce que je peux l'enlever? Enlever le collier? Oui. Ouais, ben j'essaie de l'enlever, ça change... Ça... Oui, oui, je dirais personnellement, Mao en a plus besoin. On va voir les cloches et les mulettes. Franchement, donnez tout à Mao, genre il a les boucles d'oreilles. Il a exemple, Mao, quand tu bouges avec tes boucles d'oreilles, ça fait ding ding ding. Non mais no joke, venez, on fait en sorte qu'on met une prothèse qui à la place de son bras manquant, c'est un fléau, qu'il ait l'amulette et les boucles d'oreilles. Le mec, ça devient un dieu de dame, quoi. Ça devient une cloche. Mais en vrai, Clocheman. Bellman. Bellman. Antoine Bellman. Alors, vous faites quoi, là? Il faut... Faut qu'on avance, mais surtout. Il y a quand même raison. Il y a quand même raison. Tu donnes ça à Mao? Oui, je pense que ça va être plus utile à Mao. J'aime mieux qu'il réussisse son thé. Fait que voilà. Parfait. Mao, tu as plus soin dans ta magie de thé. Mais je le mets dans quel stat, en fait? Je vais juste mettre à côté plus soin dans ta magie, ça va être à toi de dispenser. Oh, hé! Hey. Okay. Mon petit Ono! Je vais faire un petit jet. Tu vas frapper quelqu'un? Un, tout se passe bien, on sait. Oh non. Allez. Mais quoi? Je comprends pas. C'est un, je ne fais rien. 2, 3, 4, il y a quelqu'un qui part. Et je sais, moi j'ai en tête la personne. Il y a quelqu'un qui se fait frapper par le fléau. Okay, pas très fort, mais Allez, 2 c'est Ulrich, 3 c'est Mao, 4 c'est Ono. Non mais putain. Allez. Oh c'est okay, un, tout va bien. Frappe personne. Ah on sait pas ce qu'il fait, du coup, le vous vraiment... savez pas c'est quoi qui fait le fléau. Ok. C'est pas encore, c'est... Tiens, en bon, fait, Maxor. Prends un animal, puis frappe-le. Je tends mon bras et je fais... Tape pas trop fort, hein. C'était juste qu'il faut un contact avec une chair ou... Mais tape pas trop fort, d'accord? Promis, capitaine. Est-ce que tu frappes? Je frappe pas très fort. Frappe quand même. Tu vas perdre... Lance-moi un D6. Ok. C'est pas moi qui ai lancé le D6. Non, c'était Maxence, ah, okay. C'est lui qui attaque. Tu vas perdre 0 points de vie, c'était pas assez fort. Ah. Mais tu vas ressentir... En fait, tu vas remarquer que tu n'entends plus rien. Allô? Allez. J'entends un énorme résonnement, genre dans ta tête, puis quand les autres parlent, t'entends pas. Ah. Bah ça change pas d'habitude, hein. Il y a quand même Rebou. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cette forêt est bruyante, hein. Allô? Et tu retrouves le son après 2-3 minutes. Ah! Hein? Oh la branlette! Donc, c'est une cloche qui rend les gens sourds au contact. Impressionnant. Alors, tu peux noter que tu as un fléau de cloche qui a 1d10 de dégâts, 1d10 okay. Pour ton énergie, et qui... Mais c'est qui l'a, le fléau? C'est moi. Oui, c'est bon. 1d10 de dégâts. Un des 10 pour le coût d'énergie et qui peut rendre sourd les gens pendant un certain temps. En fait, ça peut être très bon pour de l'infiltration.
ça peut être utile, mais... Ah ouais, ah mais en vrai de vrai, c'est perturbant. Parce que les cloches, quand que tu l'agites, ça sonne. Bah évidemment, ça fait le... Par contre, il y a un point positif à ça, messieurs, dames, je tiens à vous le dire. Ça fut une expérience assez désagréable, mais... J'entendais plus la gueule d'Esteban, et ça, ça fait plaisir. Oh. Mais vous me re-entendez, monsieur. Ah, il est là. Alors, vous marchez, vous remarquez que Mao fait beaucoup de bruit. Même il a un swag de ouf. Oui, moi j'avoue, je le regarde en mode oh ta bite Mao. Tu lui donnes ta ceinture là. Non, mais par contre ma ceinture, c'est bon quoi. Ça fait combien en éloquence hein, Mao avec ça. Ça me fait 11. Oh, oh ouais. Oh, oh ouais. Il drip. Alors, vous avancez dans la forêt, vous tombez sur une hutte. Assez simple. Avec un beau petit jardin d'herbe et de plantes étranges. Ah ben nous sommes arrivés, ça doit être l'ami de notre cher duc Bonvivre. Il faut donc lui remettre ce colis. Avançons, rangeons nos armes là, évitons de faire un petit peu déjà qu'on a des cloches et allons nous présenter. Alors tu avances et tu remarques qu'il y a une sorte de... un gros sanglier devant la porte qui fait... puis qui se barre de vous charger. Je lève la main en mode bougez plus. Nous venons en paix. Elle tu vois une femme sortir et qui tapote la tête du sanglier. Le sanglier se recouche. Il se couche et là elle fait Régis. Bonjour. Alors c'est une femme avec une cheveux bouclés roux, une tunique simple mais en fait une grande robe simple. Elle sent l'herbe coupée. Et elle s'approche, elle dit bonjour, que faites-vous dans la forêt de Bagre? C'est assez dangereux de se présenter ici. Bonjour madame, nous avons fait un long voyage afin de vous trouver. Nous avons un colis de la part du cher duc Bonvivre. Alors vous avez pas fait un long voyage si vous venez de Marcio. Ouais, mais cette forêt n'est pas très sûre. Nous préférons ne pas trop traîner. Ouais. C'est vrai. Je lui tends le colis. Vous voulez... écoutez, ben merci. Elle le pose sur le côté, elle dit, bien écoutez, c'est du duc Bonvivre, c'est ça? Tout à fait. Eh bien écoutez, tenez, vous pourrez lui donner ceci. Elle te tend une flasque avec un liquide dedans. Pardonnez ma curiosité maladive, mais qu'est-ce que c'est? Vous le donnerez au dieu qui saura quoi en faire. D'accord, très bien. Écoutez, nous allons... Nous allons reprendre la route, hein. Nous ne voulons pas vous déranger. Ça avait l'air assez urgent, donc je vous conseille quand même d'ouvrir, de pas trop traîner à ouvrir le colis du duc, et puis ben, portez-vous bien. Bon, écoutez, ça doit être de la nourriture comme d'habitude. D'accord, très bien. À l'ouvre, donc une bouteille de champagne, de la charcuterie, des beaux légumes, bizarre, un bon fromage. Et elle commence à dire ah, « bon souper », et elle commence à manger. Hot, combien tu bois la flasque? T'as combien sur toi? Écoute. Une bouteille de rhum. J'ai une corde indestructible, un fléau des cloches et un trident d'or, mais je peux pas te le donner. Puis j'ai j'ai zéro kraken. Pour la corde indestructible, je bois la fiole. Vous êtes encore dans la hutte et la sorcière vous regarde amusée. La madame non mais genre je la goûte parce qu'il faut quand même qu'on en rapporte un peu, mais genre je trempe mes lèvres. Tu commences à... Non mais je demande à Maxence s'il est d'accord déjà pour la corde indestructible. Okay. Tu la donnes? Allez. Oh là là. Tu trempes tes lèvres et tu commences à... Tu perds un point de vie. Et tu commences à t'étouffer. Ta gorge a gonflé. Ta langue a gonflé. Elle t'empêche de respirer. Et là, la madame a fait mais pourquoi vous avez pris le remède? C'est pour les gens qui ont une certaine maladie qu'il faut la prendre. Si vous y goûtez, vous mourrez. Et là, vous voyez, il est en train de hurler. Je savais pas, je savais pas. Il y a pas moyen de l'aider. Bon, si vous le demandez gentiment.
Est-ce que vous pourriez l'aider, s'il vous plaît, Madame... Anna. Madame Anna. Mettez-vous à genoux. Je me mets... Bon, ça va, je suis assez... je suis un gentilhomme, donc... Je me mets sur un genou, je fais... Dame Anna, aidez notre capitaine, je vous en prie. Tu perds un autre point de vue, Ulrich. Non, pour toi. Alors, elle te tend sa main pour que tu l'embrasses. Je l'embrasse, ouais. Bon, très bien, vous avez été gentil. Alors, elle prépare une elle prend une aiguille, elle te pique sur la langue, ta langue se dégonfle. Utilisez la corde indestructible et te pendre avec, trou du cul. Il faut arrêter de faire les fous avec tout ce que vous recevez, chers enfants. Avec les Mario. Ah, veuillez bon, m'excuser. Maintenant, partez. Merci beaucoup. Au revoir. Il te reste un point de vie. On ne reviendra plus jamais. C'est une sorcière. Arrêtez qu'on me chasse. Est-ce que vous repartez, tout est bon, tout le monde repart, c'est bon? Oui, on repart, fatigué du coup, mais on repart. Avant de partir, je vais m'incliner devant la dame, je dis, je m'excuse pour leur attitude, puis je Oh, vas-y, je... Eh, ça va, moi je simp, mais je suis marié. Est-ce que je suis marié? Non, t'es pas marié. Putain. Alors, vous repartez de la forêt, tout doucement, et... Que faites-vous? On retourne à Marcio? Ah bah non, il faut qu'on aille à Stratheim et du café. Oui, mais faut que t'ailles remettre la fiole au duc bon vivre. Ah oui, pardon, oui. Autant pas. Oui, non mais... C'est vrai. Allons remettre cette foutue fiole, putain. Je vais demander aussi à Ulrich, vu qu'on retourne à Marcio, s'il préfère pas que je mette les perles dans mon journal, histoire que si jamais l'autre il vient de casser les couilles. Vie. On peut les mettre les trois perles sur une même page? Oui. Bon, ben je lui donne. Eh, très bonne suggestion ça, Mino, dis donc. Ça, j'ai une suggestion. Enlève temporairement ton amulette. Il y a déjà, toi, tes clochettes. Si tu rentres dans la ville, il y a déjà tes clochettes qui vont être. Un Sinclair, tu devrais pas rentrer avec. Clochman. Je pense putain. Qu'on devrait juste laisser Ulrich et Maxor aller en ville pour régler l'histoire. C'est vrai qu'en Marcio, plus, le duc nous connaît bien. Maxor avec son fléau. Oh, t'es ouais, ben, donne-moi le fléau, on va rester en dehors de la ville avec Mao pour éviter. La ville qui n'aime pas les cloches, on va faire ça. Mais je crois que c'est pas genre bien plus dangereux que moi, j'aille dans la ville en plus. Non mais c'est ça pour ceux qui étaient... Ouais, ben en fait, ça dépend si tu... Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis là, puis je vous regarde aller. Hein. Ouais, non, je préférerais... Attends, allez-y, capitaine. Non mais moi, j'y vais tout seul, Mino. Eh, hey, vous savez quoi, reposez-vous, restez un petit peu à l'entrée de David, j'en ai pour 2 secondes. Je rentre, je sors, comme on dit, d'accord? J'arrive tout de suite. Ouais, mais sauf que là, si sur le chemin, dans la ville, il tombe, il se fait mal, il se fait un point de vie, il meurt, on n'est pas là pour l'aider, là. Mais t'inquiète pas, je suis un peu fatigué, mais j'ai ma petite fiole. Il y a 3 de destin. Tranquille, j'y vais. J'ai ma petite fiole qui a failli me tuer. Je vais toquer chez le duc. Tu retournes chez le duc. Et le duc, il fait... Et tu vois, le duc, il est en train de violer, il est en dépression, lui, genre. Ah, c'est vous, entrez. Mon cher duc, ouais, un petit peu fatigué, là, on a... problème pendant le voyage. J'ai perdu mes perles, Ulrich. Vous avez toujours pas retrouvé vos perles? Je pensais qu'on allait directement à Stratheim. Non, on va... Non, c'est Marcio, C'est Marcio. Vous n'avez pas retrouvé... Ah. Est-ce que vous avez peut-être une idée? Mais quel genre de perle c'était? Ça représentait quoi pour vous? C'est... Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui me les a donné en cadeau. Et c'est juste que j'aime pas perdre des cadeaux. Écoutez, mon cher duc, si je peux vous faire une promesse. Je vais... C'est quelqu'un qui s'appelle Rohan. Un vieux monsieur assez mystérieux. Rohan. D'accord. Écoutez, mon cher duc, sachez que je vais tout mettre en œuvre pour retrouver moi-même vos perles et vous les ramener. Ah bah, ce serait gentil. Avez-vous remis le colis à la... Tout à fait. Et elle m'a donné ceci et je lui tends la fiole. Elle m'a dit que c'était pour vous. Ah, super. C'était un remède, comme ça. Il monte au premier étage, en courant. Ah, mais il a déjà gagné d'énergie au moins, c'est bien. Est-ce que tu t'en vas? Bah, je le regarde partir, j'attends de voir s'il redescend. Alors t'attends 45 minutes.
Oui. Il redescend et il fait « Merci beaucoup, Ulrich. Vous avez sauvé ma fille. » Votre fille? Oui, Julie. C'était pour elle, le remède? Mais oui, elle était malade et on ne savait plus quoi faire. Alors, Anna m'a dit qu'elle avait une idée de ce qu'elle pouvait subir. Et donc, elle m'a demandé d'y apporter du champagne, un truc, alors. D'accord, mais si j'avais su que c'était pour votre fille, j'aurais fait encore plus vite, le plus vite possible. J'aurais même pas pris de temps de discuter avec les gardes. Je voulais pas vous déranger avec de tels avec ça. Vous êtes quelqu'un d'occupé, donc je voulais simplement que vous vous dépêchiez un peu. Ah non, mais écoutez, cher Duc, voyons, nous entretenons des relations parfaitement amicales. J'aurais très bien compris. En tout cas, c'est une bonne fin. Il ne reste plus qu'à retrouver vos précieuses perles et essayer de débusquer également quel est l'auteur de ces attentats et de régler tout ça. Et je pense que la vie pourra reprendre son cours normal. Espérons-le. Bon. Nous allons nous rendre avec mon équipage à cette fameuse boutique dont vous m'avez parlé afin d'essayer d'y apporter notre aide. Nous serons de retour dans quelques jours tout au plus. Si j'ai des nouvelles concernant vos perles, je vous en ferai part. Vous m'avez dit Rouen. Oui, roi. Très bien. Et ça peut peut-être me servir pour l'enquête. Je se trouve au nord-ouest du quartier de la place centrale dans les quartiers. Ah. C'est la seule maison avec une porte ronde. Eh bien, écoutez, merci pour l'information et portez-vous bien. Essayez quand même de ne pas déprimer, hein. Vous inquiétez pas, on va les retrouver, vos perles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais mes perles. Je comprends. Au revoir, cher Duc. Il remonte en haut. Voir ça. Ok. Fait. Alors, Jack. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute-moi bien, toi là-haut là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sors palais du duc et je file immédiatement au quartier nord chercher Rouen. Alors tu te rends dans une maison. Tu tombes sur une maison avec une porte ronde devant toi. Et qu'est-ce que tu fais ? Je toque à la porte. Alors la porte s'ouvre tout seul. Toute seule ? Bah en fait, en cognant, elle est un peu entrouverte, quand tu cognes, elle s'ouvre. En fait. Et tu vois quelqu'un assis en tailleur, devant une sorte de jeu de société étrange. Quelqu'un ? Venez vous asseoir. Bonjour, excusez-moi, je ne sais pas si je suis au bon endroit, je cherche un certain Rohan. C'est moi-même. Ah ! Je suis Rohan. Auriez-vous 5 minutes à m'accorder de votre temps, mon cher monsieur? Je me présente, par politesse, je suis capitaine Ulrich Clayton. Venez vous asseoir sur le coussin. Je viens poser mes miches, alors, du coup. Tu es d'asseoir, et qu'y a-t-il? Vous savez, je suis un ami de notre cher duc Bonvivre. Sachez que le cher duc est un peu tourmenté, hein. Quelqu'un lui aurait volé donc des perles, si j'ai bien cru comprendre. Et en fait, il m'a dit que c'était vous qui lui avez offert. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, on a discuté. J'ai échangé les perles contre ma maison. Donc j'ai acheté cette maison grâce aux perles. Et donc, ça m'a permis d'avoir cette maison. Alors, je suis assez navré car c'est des choses assez puissantes qui ont été perdues. Vous pouvez m'en parler un petit peu ou... Oh, les perles, c'est ça. Connaissez-vous les Nazca? Ah, ça me dit vaguement quelque chose, oui, oui. C'est le premier peuple à avoir existé sur le continent pendant le Rodinia. Mm-hmm. Donc le Rodinia, c'était le temps où la Terre... En fait, que le monde n'était qu'une seule mode de Terre autour d'un océan. D'accord. Avant que les continents se séparent. D'accord. Et les Nazca ont découvert pendant le Rodinia une substance qui s'appelait les minerais d'étoiles. Ah oui, des étoiles. On a entendu parler, oui, tout à fait. Et ces minerais avaient une importance capitale pour eux, car c'était leur manière de survivre et de vivre, et c'était une manière de pratiquer une certaine magie, dont la magie des perles de verre. D'accord. Qui se fait par un jeu de société, comme vous pouvez le voir face à vous. J'ai un jeu de perles de verre actuellement face à moi. Et quand on joue, on peut influencer le destin. Donc, vous êtes en train de me dire qu'une personne qui posséderait ces perles pourrait jouer à ce jeu. J'imagine qu'il doit y avoir des conditions, peut-être se procurer un plateau adéquat. Il faut connaître le jeu, il faut connaître les règles. D'accord. Il faut apprendre auprès d'un maître, dont j'en suis un. Et il faut aussi, pour jouer au jeu, il faut affronter quelqu'un. D'accord.
Mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ses perles pour pouvoir apprendre à jouer? Oui. D'accord. C'est essentiel. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour vos informations, je trouve ça passionnant. Voilà. Je vais pas prendre plus de votre temps et merci beaucoup et nous allons retrouver. Sachez que grâce à cette magie, certains peuples ont gagné des guerres. Ah oui. Oui. Ah oui, d'accord. Donc d'accord. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup et puis pour vos informations. Et si jamais j'ai d'autres questions à ce sujet, je viendrai à l'occasion requérir vos précieux conseils. Eh bien au plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Il incline la tête, par respect. Et je sors de chez lui un peu hébété en mode... What the fuck? Je te rappelle, t'as oublié les infos sur la justice maritime. Non, mais c'est demain. C'est demain, pas encore arrivé. Vous êtes encore dans la même journée. Ah ouais, d'accord, c'est bon. Je retrouve l'équipage à la sortie de la ville. Parfait! Alors, Et je leur explique tout ça. Donc, ouais. Alors, vous êtes tout au courant des perles. Bon, bah, faut apprendre à jouer. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut genre faire... Attendez... c'était quoi déjà le nom des perles? Mais en fait, j'ai une question à poser à l'équipage. Esteban compris. Je veux que tout le monde parle là-dessus. Parce que là, c'est une situation qui est un peu importante pour la suite de nos aventures. Et... Je vous propose, cher équipage, deux choix. Soit nous rendons les perles que j'ai... emprunter son consentement, dirons-nous, à ce cher duc, en nous faisant passer pour les sauveurs dans quelques jours et en essayant de trouver une riche récompense, sachant que l'appui du duc, qui déjà n'est pas très compliqué à obtenir, pourrait vraiment être utile par la suite. Soit nous gardons ces perles et tentons d'en extirper les pouvoirs et les connaissances qui pourraient vraiment être très utiles, mais qui feront de nous incontestablement une cible sur tout l'océan. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est quoi les coûts? Je dirais que 3 perles pour une maison, on peut vendre des perles pour cher. Sinon, on peut utiliser Exodia le maudit. Non mais putain. Bon. Donc toi, t'es plutôt pour le fait de profiter de manière pécuniaire, on va dire, de ces perles sans forcément les exploiter à leur plein potentiel, Maxor, c'est ça? Bah, c'est une idée comme une autre, effectivement. D'accord. Mais Ono voulait dire quelque chose, me semble. Concrètement, là, si on décide de rendre les perles au duc en se faisant passer pour les sauveurs, il va falloir que tu aies une histoire assez solide, merci, pour expliquer ça, là. Parce que, tu sais, je veux dire, qui aurait pu... Si qui est entré dans la maison, qui aurait pu les avoir volés? Tout le monde! Tout le monde. Il laisse entrer tout le monde dans la maison. Il laisse entrer tout le monde, ok, bon, ben parfait, alors ça règle le souci. Ouais. Mais moi, je suggérerais qu'on ait réglé l'histoire à Stratham, puis qu'on aille... Tu sais, vu quelqu'un tenter de vendre les perles à Stratham, et que finalement, on l'a intercepté, on l'a tabassé, on a ramassé... Mais j'ai une idée, sinon, on vend les perles... Et ensuite, on vient balancer au duc où sont les perles. Comme ça, on a double prime. Ouais, mais bon. ça va être une autre personne qui va témoigner contre nous. Là, ça va... D'accord. Très bien. Mao, quel est ton ressenti à propos de ça? Bah écoute, c'est juste qu'en fait, on sait pas nécessairement non plus à quel point les perles peuvent être utiles et comment s'en servir. Je veux dire, comment s'en servir. Une perle avec un tas d'or dessus, déjà, j'ai vaguement une idée de ce que ça peut faire, quoi. Vaut mieux que on les garde, puis que si d'un jour, quelqu'un sait comment s'en servir, ça pourrait lui être utile. On peut faire ça. Esteban, qu'en pensez-vous? J'en ai déjà entendu parler, par Laurent Combalbert. Ah. Hein? Et qu'est-ce que ce cher Laurent... Il a voulu m'en vendre une. Contre mon âme, bien entendu, vous le savez comment ça fonctionne avec lui. Moi, j'ai juste pris le manteau, bien entendu. Et il m'a dit que c'était... Je me suis dit, ça me servirait à quoi de vendre mon âme pour une perle? Il m'a dit, ces perles changent le destin. C'est quelque chose qui pourrait vraiment être intéressant. Ouais, donc... en vue de ce que vous me dites, moi, j'ai... l'impression que pour l'instant nous devrions les conserver et voir par la suite comment nous pourrions les exploiter, quoi. Mais il en est aucunement question de les vendre, n'est-ce pas, Maxor? De quoi?
Ça bug. Non, ça bugue. J'ai aucunement question de vendre les perles en vue de tout ce qu'on vient d'apprendre. Ouais. Je pense que, à mon avis, y a bien mieux à faire. Il y a une carte bien plus puissante à jouer là-dessus, quoi. Ok, très bien. Eh bien, du coup, je vais invoquer la musique. Ce miroir. Moi, j'invoque la musique. Miroir absolu. Miroir absolu. Drain de vie absolue. Très bien. Donc, mais partons absolu. En direction de Stratham, découvrir et aider ce mystérieux marchand de... Comment vous dites déjà? De Kefa. C'est ça? Café, c'est ça. Vous pouvez quand même, avec tout ce qui s'est passé depuis, vous enlever 2 rations. Oh bah ça, on laisse notre cher cuisinier s'en occuper. Alors, vous dirigez donc vers... Il est pas allé en racheter? Non, il a acheté des thés. C'est des thés, ouais. Ah, okay. Après, on est bien, je crois. On fera ça après. Vous arrivez à Stratham. Capitale de l'art. Oui. Magnifique ville. Mm-hmm. Mm. Et que faites-vous rendu à cette ville? On se fait discret déjà. On se fait discret. Les mains dans les poches. On essaye de pas faire exploser quelque chose pour une fois. Allons directement, tranquillement, sur la place des exploitants, essayer de trouver cette fameuse boutique de café. Parfait. Alors, si tu me lances si tu réussis ton jeu d'habileté perception, ça se peut que Ouais, on cherche un peu, on a l'air un peu perdu. On regarde vite fait si on trouve quelque chose. T'as fait combien? 14. Alors, c'est un échec car tu as 9. Ah, merde. Donc, vite comme ça, tu n'arrives pas à trouver. Avez-vous une idée de où chercher ou avez-vous une idée comment trouver des informations? On peut demander à un passant. Bah, c'est vrai qu'il y a des guides à... Non, mais en plus, il y a plein de monde. Si c'est une boutique, ça doit être plus ou moins connu, quoi. Alors, vous demandez à quelqu'un? Bon brave, excusez-moi, mon cher monsieur. Oui? Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Très belle journée. Mes compagnons et moi-même sommes un peu perdus, nous sommes nouveaux en ville et nous cherchons un certain marchand de café. En avez-vous entendu parler? Vous voulez parler du café de Mistre? Ah, tout à fait, ça peut être ça. Ignoble! Oui, il paraît que c'est pas fameux, hein. Il paraît que c'est pas fameux, mais qu'il y aurait peut-être de quoi faire quelques ajustements. On nous a vendu une merveille de Mistre. Mm-hmm. Et on était... tellement déçu. Oh, c'était dégueulasse. Effectivement, je comprends, mais on nous a quand même dit qu'il fallait tester, qu'il y avait peut-être de quoi faire avec des meilleurs ajustements. En tout cas, si vous savez où se trouve cette boutique, nous sommes preneurs de l'information. Eh bien, elle se trouve, il te pointe une direction. pas assez précise, mais il te pointe une direction. Ouais, bon, la balle. Ok, eh bien, merci beaucoup, bonne journée. On y va. Alors, vous vous dirigez vers cet endroit. Vous ouvrez la porte, j'imagine, une petite cloche. On trouve la boutique, ok, nickel. Oui, ouais. Et Maxor, un petit peu en sueur. Une cloche. D'ailleurs, vous voyez quelqu'un qui fait « Ah, bienvenue, des nouveaux clients, super, des nouveaux clients pour le café de Mistre, enchanté. » Bonjour. Alors, voulez-vous une tasse? Voulez-vous quelque chose? Première gratuite. Écoutez, ce qui est gratuit ne se refuse pas, alors pour ma part, je vais vous prendre une petite tasse, ouais. Tic 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 tic, il vous sert des tasses. Allez, prenez, c'est pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement. Je goûte. Alors, vous buvez, et c'est immonde. Okay. Ça n'a pas du tout le goût de café. C'est du café noir, dans le fond, qu'il nous a servi, hein. Tu vas voir. Ok. Mais oui, c'est noir, mais de base, même du café noir, genre ça a un goût, quelque chose, là ça n'a pas. Là. C'est vraiment. Ça goûte l'eau de vaisselle, c'est pas. C'est dégueulasse. Je lui demande. Je le regarde, puis j'ai dit, je vais être franc avec vous, c'est pas très bon, j'aimerais savoir c'est quoi les ingrédients que vous utilisez pour le préparer. Ben, des grains de café, on utilise de l'eau. Écoutez, je sais que c'est pas bon, d'accord, je sais. Il y a un problème, c'est parce que je ne peux pas torréfier les grains. Ah! En fait, la machine pour torréfier les grains, elle est brisée et la personne qui s'en occupe est en prison. Ah. Mais avez-vous simplement essayé de faire brûler les grains? Le principe de torréfaction, c'est simplement en fait de cuire les grains. Oui, j'ai déjà essayé, mais ça ne fait pas le même effet qu'avec la machine. Mmh. Ouais, je comprends. Donc, si je comprends bien, va falloir qu'on aille trouver une personne qui serait capable de faire marcher votre machine, c'est bien ça? Il faut trouver Philippa, c'est elle qui a créé la machine. Elle est en prison. Pourquoi elle est en prison? Bah ça je sais pas. Parce qu'elle a créé le café.
Non, non, pas parce qu'elle crée, pas du tout. C'est même pas elle qui l'a créé. Elle a créé une machine pour le café. En fait, elle a trouvé. En fait, le café vient. Parce que je suis un ancien explorateur. Je m'appelle Christophe, déjà enchanté. Et je suis un ancien explorateur et j'ai été à Mise. J'ai découvert cette chose incroyable là-bas. Le café est excellent. Super goût. Et j'ai décidé de les amener ici. J'ai engagé une personne pour créer une machine de torréfaction. Elle ne fonctionne plus. Alors mon café a un goût ignoble. Et là, dans pas long, je vais devoir fermer boutique. Ouais, mais mon cher ami, on ne peut pas faire sortir quelqu'un de prison si elle est en prison, c'est qui donne. Ah non, mais elle doit peut-être. Est-ce peut-être c'est de l'argent, c'est. Tu sais, j'imagine qu'elle a pas fait quelque chose de gros. Philippa est quelqu'un d'agréable. Il doit y avoir peut-être une caution sur sa libération. Exactement, sûrement. Vous pouvez nous indiquer à peu près vers où se trouve la prison d'ici? Ah ben, vous y êtes déjà allé, me semble. Non, vous n'êtes pas allé à cette prison-là. Non, on était allé à les prisons, pas celle-là. On était allé en prison à Edrium. On va dire trop fort ça, Ono. Non, mais. De toute façon, Edrium, c'est des cons. La prison se trouve près du Trident et près du cocktail, des cocktails d'Eric dans une taverne proche. Bon, près du fleuve du Trident, donc un peu plus bas, proche du quartier pauvre. Écoutez, mon cher Christophe, c'est bien ça? Je vous propose un marché. Nous allons faire en sorte de nous renseigner et de potentiellement essayer de trouver le moyen de refaire fonctionner votre machine de torréfaction. Mais en échange, il va nous falloir quelque chose. Vous doutez bien que... Ah bah oui, mais bien entendu, je ne suis pas stupide. Je vais vous donner des parts dans mon café, tenez. Des quoi? Des parts dans mon café. Des parts genre comme des parts de sa boutique ou juste des portions de café? Oui, de mon entreprise. Ah, donc nous serions actionnaires d'une boutique de café? Exactement. J'aime beaucoup ça. Ouh là, ça me fait bander très très fort ça. Tu dis tous 20%. 20%? Ça me va. Ça... En vrai, vous savez, je suis plutôt du genre à négocier, mais ça me paraît honnête. Fait que ça fait 5% chacun. Ça, ça fait 20% pour tout le monde. Surtout. Commencez pas à toucher au pognon. Très bien. Eh bien, nous allons. Écoutez, nous allons nous renseigner à propos de votre play. Vous avez dit qu'elle s'appelait comment déjà? Philippa. Nous allons voir ce qui est reproché à Philippa et puis et d'obtenir soit les informations, soit de la faire libérer et afin que votre entreprise puisse refonctionner. Nous serons de retour dans peu de temps, j'imagine. Voilà. Ah, en attendant, petit conseil. Ne servez plus une seule tasse par pitié. Je vous en supplie. Hein, vous allez vous faire une mauvaise réputation et vous avez pas besoin de ça. Mais j'ai déjà une mauvaise réputation. Fermez boutique, dites que vous partez en vacances ou que vous êtes en pause pour cause de réparation ou de shot bouché, ce que vous voulez, mais ne servez plus une seule tasse. Pour votre bien. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Voilà. Hein. On sort, j'imagine. Ah bah super. Bah, parfait. Eh bah c'est parfait, alors, ouais, putain, génial. Vous sortez et vous allez donc tout doucement vous diriger vers le nord. Quartier pauvre, vous étiez proche du quartier artistique. Hein, ouais. Il y a le quartier bleu, le quartier des arts, le quartier gris. Donc vous dirigez vers le quartier gris, vous étiez dans le quartier des arts. Mm-hmm. Et vous passez près de l'opéra. Donc l'opéra de la ville. Et vous voyez tout bonnement sortir affolées plusieurs personnes donc, qui étaient très sûrement de regarder un concert. Affolées. Ils sortent de l'opéra en criant « Ah, il y a un fantôme dans l'opéra !» Ah, putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh, ils sont là, tous barjots, ces mecs-là, oh, ou quoi? Moi, j'ai envie d'y aller juste parce que je connais la ref. Ouais. Ça me tente. Et on va se laisser sur cette ref pour la séance et on reprend la prochaine fois.